Qu'est-ce que Ami Dara, qui me dit je commence à comprendre comment ils sont restés dans le noir pendant 8 mois à cause d'une ampoule. Tu vois, c'est même pas ma faute, c'est vraiment c'est compliqué d'être avec eux. Je suis en local. Ok. Oui. Ça marche. Incroyable. Je vais lui faire un petit vocal quand même, j'étais méchante. Pauvre cœur. Les regrets instantanés. C'est bon chérie, ça marche. Je suis désolée. Je t'aime. Bonne LAN. Ah. Il est là. Ah. Non mais en fait voilà, je sais pas si t'as suivi le problème, mais c'est que sa manette était branchée sur la Xbox. Désolée chérie. Bah oui, c'est ça, c'était branché sur la Xbox, mais on s'en est rendu compte. Comme deux filles indépendantes. Regarde, les parents qui s'engueulent. Tu vois, chérie, pourquoi il faut pas m'en vouloir? Parce que sinon, après, tu finis aigri comme ça. Pas besoin de dire, pas aigri. Tout en s'énervant que le PC le trouve pas. Non mais un PC, il pourrait reconnaître que la manette était branchée juste à côté, la console était à côté. Regardez plutôt cet enfant là qui regarde ses parents se détruire. Un PC plus cher ne peut pas trouver une manette sur une console éteinte. Je suis désolée. Bon, choisir alors, un personnage. C'est quoi, c'est l'homme ou la fille ou c'est les poupées juste? Ah bah c'est les poupées, tu veux incarner les poupées? Choisis celle que tu veux. Je serai l'homme. Non mais la technologie, c'est pas si avancé que ça franchement hein. Je suis un peu déçue encore. Peut-être augmenter un peu le son du jeu, non? On entend rien. Attends, il faut que je remonte le son à eux. Attends. Silence. Ma chérie. Putain. Tu sais qu'on t'aime. Attendez. Parfois, ça nous oblige à faire Hop. Des choses qui sont pas toujours très... Je vous ai remis le son, vous l'aviez pas. Drôle. Ce qu'on essaie de dire, chérie, c'est que... J'ai pris l'homme pour rendre hommage à mon mari, aimant maman et intelligent. Squirtune, je ne veux entendre plus de suivre des chemins séparés. De quoi? Il a dit « Allez, femme ». Ok. Tu vas où, Squirt? Je peux aller jouer dans ma chambre? Ah, Squirt! Ouais, ouais. Et bonjour! Coucou! Et bonjour à Rieko aussi. Il y a un bouton enfoncé là, comment ça? Non, non, bah, parce que, sûrement parce que les fenêtres. Ah, oui, oui, oui. Oui, je pense que c'était ça. Non, j'étais en train d'essayer d'augmenter le son. Concentre-nous sur le jeu parce que pour l'instant. Bah, y a rien à suivre. Elle est triste ou ses parents ne baissent plus, c'est tout. Ses parents ne baissent plus donc ils se supportent pas. Mon dieu, mais ne prenez pas Elisa pour raconter des histoires. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je me prends des sermons sur la délicatesse pendant 3 jours pour qu'ils me disent ça au final. Alors, je sais pas si la corde sensible du jeu va Docteur marcher sur moi parce que j'ai très j'ai peu d'empathie. De votre aide. Il faut qu'ils restent ensemble. La poésie qu'Elisa. Non, mais je suis désolée. C'est écrit ici. L'amour, c'est du travail. Vous devez faire un effort. Vous pouvez pas abandonner. Maman, papa, j'aimerais que vous soyez amis à nouveau. On pourrait dire ça, c'est pour vrais parents aussi, plutôt que qu'invoquer le pouvoir des poupées. C'est triste, mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment obliger des parents qui ne s'aiment plus à continuer à s'aimer? Nous, je n'aimerais pas que mes parents se sacrifient leur vie durant pour faire tenir un couple qui ne tient plus. But du jeu, monte à la libido des parents. Au secours, à l'aide. Dis, j'essaie de
dormir. Tais-toi. Mais c'est toi. Déjà, quand tu dis tais-toi ton mari en te réveillant le matin. Oh, moi, si tu hurles comme ça, hein. Mais pourquoi tu ressembles à une meute d'argile? Dis-toi, pourquoi t'as l'air d'une poupée en bois? Regarde. Merci, Kalem. Maman est amie avec le coach de Basic Fit désormais. Oh, non, regarde ça. C'est que Tarland là-bas. Qu'est-ce que t'as fait? Quoi? Pourquoi tu m'accuses toujours, hein? Oui! Pourquoi vous l'accusez toujours? Cette transition du alors, hey! Je suis le docteur Hakim, best-seller mondial et expert en amour. C'est votre fille qui m'a acheté, la chanceuse. J'étais le dernier exemplaire. Je partais comme des petits pains. J'ai aidé des millions de couples, comme je vais vous aider maintenant à vous remettre ensemble. Je n'ai pas confiance à quelqu'un qui a des sourcils comme ça. Moi non plus. Il faut que je me réveille. Oh non! Tu viens de dire que les personnes qui avaient un double menton n'étaient pas des personnes honnêtes? Non, mais quel était l'intérêt de la rajouter sur le design du livre? On peut pas se réveiller! Exactement! Oh, ok, monsieur le bouquin, donc comment on se réveille? Vous avez compris, si vous avez un double menton, vous n'êtes pas digne de confiance au jeu de Sarah. Je n'ai pas dit ça, des formations professionnelles. Ouais, voilà. On divorce. Je trouve qu'en termes de design... Non de livres, je vais vous aider à réparer votre relation. Bâton, hein, premier chapitre. Réparer votre relation. De plus, j'ai promis à votre fille de sauver votre mariage. Vous voyez, l'amour, c'est comme une montagne. Vous regarde, deux, vous êtes une rivière et là, c'est rose. Des fleurs qui poussent dans l'air. Viens, et puis vous deux, on va la voir. C'est abominable. Vous resterez maudit tant que vous n'aimerez pas à nouveau l'un et l'autre. Comme deux tourtereaux. Vous comprenez? Ils t'entendent mal, il faut que tu parles. Ah, pardon, excusez-moi. Oui. Je passe ma vie au lit, mais ici. Alors. Pourquoi on a les croissants? Oui, tu me diras. Oh non, hein! Qu'est-ce que c'est? Ah si, t'as dû pas recliquer dans la. Ah oui, c'est bon. Oh, non! Ah non! Quoi? Il y a des marches là-bas! On n'y arrivera pas, on est trop petits! Peut-être qu'on va bien trouver un moyen! Ils sont où les escaliers? Ah merde, j'ai levé un coup, je peux pas regarder. Oh. Ah là, attends, viens appuyer avec moi. T'es où? Il me faut ton gros cul! Là! Sortir de là! Oh waouh! Ils sont vivants. Qu'est-ce qui se passe ici? J'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas faire descendre l'escalier sans ces fusibles. Mais les fusibles, ils sont enfuis. Tu les as pas vus avec leurs petites pattes de fusibles? Oh, tu m'étonnes qu'elle a envie de divorcer avec ce con. Mais t'as pas vu enfin? Mais si connard, j'étais à côté de toi. Merci. Ils sont enfuis avec leurs petites pattes. Mais regarde, mais je me sens tout bizarre. Genre, oh, il est trop plaintif. C'est affreux. Trop bizarre, je veux dire, t'es en bois quand même. Je suis un peu raide. Ouais, mais pareil. Coup, en bougeant, je sens J'espère bien. Cody, tu te concentres un peu. Oh, ça va. C'est pour jeter en avant. Alors, B, attaque au sol. Mais... Ah, c'est Mario, ils ont volé le gameplay. Vite! Comment tu fais pour courir? Bah, je sais pas. Ah, tu restes appuyé sur la touche. Je sais plus si la droite ou la gauche, la gâchette. Pas la gâchette, le joystick. Pas le son que ça fait. Moi non plus. Mais comment? Tu peux pas faire la courte échelle? Mais t'as fait sur Y. Ah, ok. Tout simplement. Là! Cody, attention à ta tête! T'inquiète! Aïe! Oh, mon dos! Elle prend quand même soin de lui. Est-ce qu'elle le materne ou est-ce qu'elle prend soin de lui? Bah, tu peux faire les deux parce que tu l'aimes. Mais il faut que ça soit à doser. Mais meurs pas!
Pardon, mais il y avait marqué d'interagir, moi j'interagis. Mais enfin, même les enfants sont au courant qu'on met pas les doigts dans une prise électrique. Mais je pensais pas qu'elle allait faire ça, personne ne me l'a dit. On met pas tout son corps. Ah, faut que t'appuies sur l'autre en même temps que moi, je pense. Ok, d'accord. Est-ce que la coopération va nous réussir? Et il faut faire quoi après? C'est bien beau, on a activé le truc, mais... Par où qu'on passe? T'es passé où? Bah, je sais pas, j'aimerais prendre de la hauteur. Attends. Sauter. Ok. Comment t'as fait ton histoire? J'ai appuyé et maintenu. Hein. Non. Ah non, c'est pas le bon côté. Oh mais t'es échec. Merde. Sauter et viser sur une surface. C'est quoi ça? Alors, A, X. Pour refaire. Mais oui, pour... pour refaire. Ah, pour aller par là. A, A, X. Ah non, j'ai appuyé sur... Ah, c'est bon. Ouf. Ah, fallait faire X. X. Ouais. Ok. Et là, c'est quoi? C'était Y pour sauter où? Merde. Ah non, ça marche pas. Ça, ça m'a dit. Ah. Ok. Ah, zut, alors. Ah. Ok. Allez, Géraldine. Bouge-moi ces grosses cuisses. Mais me fatigue. Alors ça c'est dangereux hein, quand la prise a fait ça. On dirait que ça actionne la scie. Ouais, essayons. De quoi? La prise est cassée? Ah, double saut dessus. Le courant électrique ne fait pas ça, mais c'est pas grave. À l'aide! C'est tu me laisses porter, mauvais mari. Mais c'est toi là, femme indépendante. Pourquoi il me regarde comme ça lui? Qui lui? Lui il regarde, il me regarde. T'es qui toi? Pourquoi tu vas être ma femme? Il veut quoi lui? Attends là. Laïda, bonsoir. Oh, parfait. Allons-y. Tu vas te faire très très mal. Il parle du lapin là. Le lapin, mais j'ai rien dit. Je sais pas, tu vas regarder mal. Saleté de fusible. Ah mais le sous-sol est hyper dangereux pour leur gamine, hein. Clairement. Rose, ma chérie. Oh là. Oh non, pas encore vous. Dégagez de là, stupide bouquin. Allez, poussez-vous, je dois parler à ma fille. Mettez-lui une mandale. Votre fille. Oh, vous en parlez comme si elle vous appartenait. Réfléchissez un peu. Les personnes qu'on aime nous appartiennent-elles? Ça vous oui. Nous laisser passer. Allez-y. Mais d'abord, je voudrais vous Elisa présenter... Mais quoi, si elle désobéit, tu l'empoisonnes et basta. C'est ta fille. Mais évidemment que c'est ton enfant, c'est toi qui l'as pendu. Évidemment qu'il est à toi. De connaître votre voix. On verra plus tard à sa majorité. Non, cette femme est toxique. Sorte d'aspirateur. Ah ouais. Évidemment, puisque c'est votre aspirateur. Quand tu fais un gâteau, c'est ton gâteau. C'est pas celui du voisin. Tu sais qui c'est lui? Le gâteau n'a pas d'indépendance. C'est quoi le tu rapport sais, le type mais quand le maître humain vient voir le gâteau, il prend pas ses petites pattes, il va à la boulangerie prendre le pain le matin. Enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Quelle comparaison? Je t'ai donné la vie, je peux bien te la reprendre. C'est tout, juste. Le gâteau est inerte. Oui, merci. Ah mais regarde, on se fait vomir dessus à cause de toi et tes idéologies. Regarde, maintenant cet enfant indépendante là. Que tu appelles de la poussière? Oui, enfin un certain truc. Mais c'est pour ça qu'il était cassé. C'était ta faute. Oh,
Et toi, tu avais promis de me réparer. Merci. Au lieu de ça, tu t'es contenté de me laisser pourrir ici. Ouais. Donc quoi? Au face là, l'aspirateur en l'éternuant. Ah, je veux qu'il rame. Bon, sois grand teacher. Pas encore vous. Vous voulez retrouver Rose? Nous sommes actuellement sur Route Texto. Oui. Nous jouons un coup de bord divers. Ensemble. Oh non. Pourquoi vous nous faites ça? Parce que vous devez apprendre à collaborer. C'est pas notre point fort. Voyez-vous, la collaboration. Comment ils sont? Comment ils peuvent dire on n'est pas fort pour collaborer alors qu'ils ont littéralement fait un enfant? Vous savez, je supporte pas trop cet homme. Mais non, ouais. Pourquoi vous êtes trop produit avec? Exactement ça. Bonne chance. Peut-être qu'avant il était plus dans la prise de décision. Ça serait jamais arrivé. J'ai envie de boumer le bouquin. Ça serait jamais arrivé si tu l'avais réparé comme tu l'avais promis. Bah, je savais pas qu'on allait finir dans un monde où l'aspirateur est vivant. Et pourtant, nous y voilà. Oui, oui, de toute façon, il n'y a jamais un seul fautif, même si certains. Pour toujours, il n'y a pas moyen. On va divorcer. Je sais qu'on va divorcer. Mais pour faire ça, il faudrait d'abord qu'on récupère nos corps. Ok. On escalade cette saleté d'aspirateur. Il est vraiment pas fort le jeu. Non, tu trouves pas? Tu sais, je me demande d'où ce bouquin. Voilà, Inervo peut bien sortir. Mais j'hésite pas à bien parler au micro. Hein. J'essaye. Pourtant, c'est pas vraiment son genre de lecture. Ah, ça ressemble plus à tes bouquins de psycho prétentieux. Tu sais, le développement personnel. Oh non, il lit des bouquins sur le développement personnel, au secours. Ça a pas l'air de marcher, hein. Oh merde, je suis tombée dans le. On est où là? C'est dégoûtant ici. Dans le. Je sais pas, cette maison est ignoble. J'ai glissé aussi. Si seulement j'avais ramassé les feuilles mortes. Je peux passer par là. Voilà. Non. Ah non. On fait des chutes de 40 mètres. Ah non, je pensais qu'il fallait que je me fasse aspirer. Attends, si. Y'a un truc à faire. Y'a un truc à actionner, voilà. Merci, chérie. Vas-y. Allez, Aro. Quelle femme indigne. On a ça dans notre jardin, tu peux me dire? Alors moi, je ne suis pas responsable. Je m'occupe de changer les ampoules dans cette maison. Visiblement, réparer l'esprit. Faut que j'aille dedans, mais non, c'est pas dans l'autre sens plutôt. Mais non, viens là-dedans. Bah oui, mais je vais tomber. Fallait pas me faire confiance. Mais t'es horrible. Saloperie, va. Je le savais en plus, je t'arrête. Bon, elle est un peu bête, mais c'est pas grave, je l'accepte comme elle est. Voilà. Je t'en foutrais, elle est un peu bête. Essaye de pas me lâcher, d'accord? Si t'avais réparé l'aspirateur. T'avais qu'à pas le boucher, hein. Mais tu restes là, je t'abandonne. Non. De toute façon, on va s'inverser les courants. Le courant s'est inversé. Et du coup? Eh bien, on refait pareil dans l'autre sens. Vas-y, je te vais tenir le tuyau. Attends, je fais ça. Mais ça n'a pas de sens. Mais non, mais toi, rentre dans le tuyau, patate. Ah!
fait exprès, mon dieu, t'as fait exprès, 100%. Mais n'importe quoi, tu me penses aussi mauvaise. Je suis pas comme ça, moi. Allez, rentre dans ton tuyau, là. Je te fais pas confiance. Fais-moi confiance. Moi, je t'aime d'un amour pur et véritable. Par contre, c'est difficile de tenir le aim, donc... Ça, j'arrive. Sinon, ça fait des années que tu tiens plus grand-chose. Oh bah super, bah merci. Bah au moins, moi, je porte la culotte. Mon personnage lit des livres sur le bien-être. Au lieu d'aller au psy. C'est quoi, ce truc? On doit sauter dedans? Oui, c'est ça. Bonne ville. Eh, hey, mais j'arrive pas à sauter assez haut. Laisse-toi porter par le courant, bibiche. C'est rigolo, quand même. Ah! Attention dans les hélices! Merci! De rien. Vas-y, viens! Saloperie! Voilà, on fait un jeu de coop et regardez comment elle est mauvaise! Allez! Et oui, mais tu romps la confiance qui règne en nous, là, entre nous. Mais attends, il va mourir, lui. Oui. Attends, mais il va faire lien. Mais ne fait... Il faut pas que tes pieds touchent le sol, et normalement, c'est bon. Alors, ne faites pas ça, hein. Mettez un linge mouillé, ils le font dans seau. Oui. À un moment, il y a un mec qui se met dans une baignoire et qui tient deux câbles pour faire un courant électrique pour que la porte s'ouvre, je crois. Un vêtement mouillé suffira. Mettez des t-shirts, ne mettez pas vos propres corps. Mais attends, parce qu'il y a trois petits bouts et nous ne sommes que deux. Mais va tenir là-bas. Ah oui, il y a trois petits bouts, effectivement. Ah, il faut courir. Il faut aller plus vite que les machins. Bon, ok. Ah, ok. Bon, je pense, hein. Oui. Vas-y. Vite. Attends, rappuie. Non, rappuie. Va au deuxième. Mais cours. Ah putain, t'es pas champion du monde de course, toi. Attends, c'est moi qui actionne. Va à ta place. Ma place, c'est où? Mais t'es une femme, tu m'écoutes. Pardon, mais j'abandonne le poste. J'ai pas pu. Allez vite, grognasse, bouge ton gros cul. Moi, je suis rapide, contrairement à toi. Ça valait le coup de s'électrocuter. Mais non. Ouais, non, pas trop. Je suis pas d'accord. Je suis à côté, moi. Je croyais que c'était genre une micro-cinématique, que ça se faisait toute seule. Non, il faut viser. Il faudrait viser un temps, soit peu. Attends-moi, chérie, tu pars tout seul. Ah! Oh! Eh! C'est stressant. J'aime plus. J'aime plus! Je m'amuse plus! Alors, sauter vers un côté, oui, bah ça c'est Mario, hein. Vraiment, ce gameplay c'est Mario. Genesis, bonsoir. Mais... Ah mais non, mais attends, faut aller en dessous. Mais non, si on vient dedans, faut aller en dessous, je crois. Et voilà. Et je crois que je n'ai pas dit bonjour non plus à Neo Arcana. Ah. Attends-moi, bibiche. Ça m'a l'air dangereux. Synchronise bien tes sauts. Oh, mais voilà. Et voilà, je vais synchroniser comme de la crotte. Mais alors, synchronise bien tes sauts. Elle me gonfle. Ah non, il me gonfle. Jouer RP. De toute façon, tu me fais plus bander, tu sais, je vais te le dire. Quoi? Mais tu rigoles, ça fait des années que tu m'as pas donné un orgasme. Comment tu oses? Tu parles pas dans la vraie vie, hein. Ah, tu vas vraiment croire, là. C'est quoi, ça?
coup. Allez. Crash Hooter, bonsoir. T'inquiète, bibiche, j'arrive. On a réussi. Ouais, on continue. On approche du sommet. Oh là là, mais pourquoi ça rebondit cette crotte là? Bah super, j'ai glissé. Ça rebondit? Oh non hein. J'en ai marre, c'est bon, j'ai plus le jeu. Ah bah il m'a respawn là, le jeu est gentil. On parle de la gueule d'installation électronique de leur maison électrique et électronique. Non bah écoutez, ces gens sont aux normes. Alors, où suis-je? Ah, vas-y, il va falloir que tu traverses. Coupiting. Il va falloir que j'actionne. Saute. Et c'est un échec. On commence. J'y recommence. Ah, attends, on me fait... Attends, vous ne voulez pas déplacer la caméra en haut à gauche au centre? On voit rien de la pauvre gauche là. Attendez, on va faire ça. Ah. Il fallait le dire avant, vous avez raison. Attendez. Hop, on va se mettre là. On est mieux. Pas mal, je crois que c'est Kelem là, c'est bien la seule chose que tu serais capable de lever. Pas mal. Oui, vas-y, je veux bien. Ouais. Oui, c'est pas bête du tout d'avoir centré la cam, si seulement toutes les personnes avant qui râlaient dans le chat l'avaient proposé. Propre affaire. Merci, Tipouta. Mais oui, c'est un peu bromance de jouer en splité, mais est-ce qu'on peut avoir qu'un seul écran? Un goût de piscine, non? Mais oui, elle a un goût fort chloré. Je me suis dit pareil. Elle vient d'où, cette eau? Je sais pas. T'as re-rempli le verre? Bah oui, mais je pensais que c'était le tien, il était sur la table. C'était bien. Ah bah... C'est maman qui transporte un goût de piscine. T'as mis un galet de chlore dedans? Oui, parce qu'il y a quelqu'un au-dessus. De quoi donc? Que jouer en coop, c'est la bromance. Mais on est obligé de jouer en splité, pardon. On est obligé de jouer en splité. On a Papa Blender qui est là. Papa Blender avec qui je suis partie au Japon. Oh. Collectionneur de jouets. Un TikToker tout à fait famous. Enchanté, Papa Blender. On salue Blender. La caméra est au centre, on peut reprendre. Ah, ok. Ah oui, on précise. À gauche, c'est Sarah. À droite, c'est moi. Je suis l'homme, elle est la femme. Et nous reprenons, et apparemment Amidarax avait déjà proposé de mettre la caméra au centre depuis 20 minutes. Amidarax, tu es toujours là, je suis... Merci, pour le salut de ton âme, je prierai. Apparemment, je ne l'écoute jamais. Vas-y, je t'en prie, saute. Oui. Bon, doux, bleu... Mais pourquoi j'arrive pas à sauter, ça? Noob. Mais attends, mais c'est rouge. Pardon. Je suis morte quand même. Mais, normalement, je fais deux sauts, et là, j'y arrive pas. Attends, elle saute. Ah. Bah, et tu veux ma mort? Ah, est-ce qu'il faudrait pas que... Tu peux activer les deux ou qu'un seul? Je suis juste nulle. Mais il y a une vitre ou quoi? Je n'arrive pas à passer, Elisa. Viens, on échange. Attends, viens, on échange. Merci à Papa Blender qui a lâché son prime. Voici une personne très intelligente. Ah, mais faut que t'ailles sur le deuxième en face. Allez en fait. Ah, faut que tu sois réactive. Bah pourquoi faire? Tu vois bien que les courants sont différents. Ah, mais ça change. Mais tu me l'as fait toi ça? Mais oui, je te l'ai fait. Bah, mais moi depuis tout à l'heure j'essaye de rejoindre jusque là-bas direct. Mais non, crétine. Mais oui, mais forcément j'avais pas compris. Je t'ai dit qu'il y a une fenêtre et tu réagis pas. Mais non, mais attends. Mais maintenant j'ai compris, si tu veux, on échange. Bah vas-y. Oui, nos caméras sont inversées par rapport à nos personnages. Effectivement. Ok, je suis ready.
Oups. Oups, I did it Top. Again. Top. Ouais. Ne meurs pas. Je ne meurs pas. Ah, c'est censé m'aider, d'accord. C'est tellement dur. Tu me dis top quand t'es prête. Top. Ouf. Top. C'est lourd. Alors, qu'est-ce que c'est tout cet électroménager? On dirait Alexander, mais flottant. Oui, version aquatique d'Alexander. Alexander, c'est mon aspirateur robot. Elle l'aime plus que tout homme. Oh oui, il a allégé mon fardeau mais, ah, du quotidien. Ah oui. Oh, c'est le début ça. Oui, c'est le début. Hop, hop, hop. Après, ils ont... Ah, ils ont une agilité, ces petits bonhommes, vraiment. Grave. Ils sont très plaisants à prendre en main. Rentre dans le tuyau. Ah mais non, tu peux pas. Attends, il y a pas montré ce tuyau. Ah. Attends, j'étais pas d'accord. Prête. Oh non. Oh, ce coup de beden dans la lampe. Allez, monte. Hop. Non. On a pesanteur. Mais... Oh zut alors, hein. Pourquoi je peux pas monter sur le tuyau? Je n'arrive pas à passer un simple saut. Ça fait mal à mon ego. Et pourtant je le fais mon... Oh waouh. La chance. Mais où êtes-vous ma chère? Mais je suis loin. Je fais que manquer de me tuer. Bêtement. L'aide. Pourquoi j'y arrive pas? Tu vas y arriver. Ah, ah. Mais déjà, quand je fais ah, ah, ça ne marche pas. Je vais attendre d'avoir le tutoriel dans les airs. C'est bon, il marche. Attendez, ça va du tout, là. Je suis censée faire quoi, ah, mais c'est juste AX. Ah, mais il y a... Ah, il faut que tu m'aides. Caroline, monte. C'était si simple. Mais oui, mais pff, un coup, c'est AAX. Un coup, c'est AX. Moi, comment je devine? Viens m'aider, Caroline. Oh, tu fais du bruit. Tu sais, ça, c'est le bruit que je devrais faire au lit quand tu me prends. On est toujours dans le roleplay. Hein. Qui vous aide? Qui? Mais voilà, tu es morte pour tes jurons. Mais là. Qu'est-ce que tu me veux, là? Ah, mais je vais te balancer la manette, grognasse. Je vais pas faire ça. Allure. Voilà ce que ça donne, une femme sexuellement frustrée. Hein. Exactement, c'est très dangereux. Allez, top. Et je dois faire quoi maintenant? Je devais appuyer. C'était un top. Un peu plus en train. Hein. Un, deux, trois, top. Vous trouvez Cody? Je vois Cody. Je vous vois, madame. Qu'est-ce que je suis censé faire? M'activer le deuxième coup de quick là. Mais comment? Par Dieu. Et si tu souffles là? Ah dessus, oui, voilà. Là, faut que je t'aspire. Viens. M'aspirer? Ah, tu sais ce que tu fais plus depuis des années avec moi? Faut que t'aspires. Non mais là j'y prends moyen. Hein. Allez, viens. Je te sauverai, chérie. C'est un échec. Non, à mon avis, tu dois souffler là-dessus, là. Souffle là-dessus. Ça va faire tourner là-dessus, la... Ouais, ouais. J'arrive pas à la contrôler. Tu vois que c'est dur.
Attends. Il faut que j'aille dans la petite cour. Mais non, mais sans mauvais jeu de mots, elle est grosse et molle. C'est très dur à manier. Attends, il me possède avec la coupole au-dessus. Elle est grosse et molle. Oh non, fallait que je me baisse. Ok, maintenant j'ai tous les éléments. Ok, c'est bon. Tu peux la lâcher vu que t'as tellement de mal. Je suis buggée. Il fait fort sombre dans ce coin. Qui a fait le lighting de ce jeu ? Lâche ton tuyau. Viens sur la plateforme. Non, mais pas moi. Le carré, là. Comment ça, le carré? Il va falloir que tu rushes, je pense, hein, jusqu'au truc. Attends, refais, j'ai pas sauté. Vite! Vas-y, Caroline! Oui! Moi, Caroline. S'il rentre dans le tuyau, il doit aspirer maintenant. Ah oui, c'est bon. J'arrive. Elle est partie sans moi, la bougre. Ah bon? Attends, je suis là. Descends ici, l'aspi. Bah, moi, c'est juste que t'es de côté. Bien sûr que si, on est sur un live tout public, qu'est-ce que vous racontez enfin? Quoi, Keto? Oh! Attends. Ah, je crois qu'on peut utiliser cette poussière et. C'est bien, en vrai, tes tomates, là. Je sais bien comment je les saisis. Qu'est-ce que. C'est toi qui es tombé, là? Mais t'étais pas. T'étais censé me. Hein? Bah, je sais pas, regarde, il a l'air d'avoir vouloir que je nourrisse lui, là. Bah oui, nourris-le avec moi. Bah, j'essaye. Je veux pas faire plus haut. Hein. D'accord. Attends, il manque quelque chose. Attends, c'est moi. Ah non, c'est moi qui vais aspirer les. Caroline! Ah attends, mais je suis pas prête. Ah oui, Caroline! Mais je t'ai dit que c'était pas toi qu'il fallait foutre dedans, mais les petits trucs là. Attends, je vais se mettre. Attends! J'ai l'impression que l'aspirateur était Tobies. C'est pas des cookies. C'est l'heure du thé de vie. C'est facile, je visais. Comment ça s'appelait la purée qu'il mangeait? C'était du Toby Délice. Bah, c'est bon, il est assez bas là, non? Oui, c'est bon. De toute façon. Ça pèse en âne mort! Cody, viens m'aider! Je crois que t'étais indépendante! Oui, bah écoute, de temps en temps. Ça veut pas que je la câline la nuit, par contre, il faut porter les meubles! Bah, si tu le faisais bien, j'accepterais. Oh, mais si t'étais pas aussi frigide, ma pauvre! Oh, ça va être ma faute maintenant. Ça sert à quoi l'aspirateur du coup? Mais on va se battre avec! Non mais l'autre là! Qu'on a fait baisser! T'as pu passer dessus? Oui, c'est une plateforme! Et ensuite, vous m'avez laissé pourrir ici! Alors maintenant, vous allez mourir! Non, non, attends! Je peux encore te réparer! Tu fonctionneras à nouveau! Assez de mensonges! Qu'elle aime! C'est vrai, elle est ingénieure! Elle est super douée! C'est vrai, t'es très douée! Si! Hé, hey, l'aspi! Tu vas quand même pas avaler ces sornettes, hein? Moi, j'y crois pas une seconde. Quoi que du pain de campagne avec un peu de beurre. Mais pour quoi faire? Je sais pas. Ah, vraiment? Merci, Caleb. Alors pourquoi vous avez acheté un Turbo X2000 super cher, hein? Quoi? Vous m'avez remplacé par un Turbo X2000? Ce prétentieux modèle français qui sait même pas aspirer correctement?
Je vais vous montrer qui aspire le plus fort. Parce que le jeu, il est quoi? Bon, ok. Ils ont quoi quand on joue en français là? À plus tard, hein. Bonne chance. Mais non, mais je sais pas. Bon. Je sais pas à quoi je sers moi. Ok. Oh. Attends. Oh, il a tout enlevé. Ah, je suis bloqué. Mais non, mais il faut arrêter de te précipiter là-dedans tant que je ne l'ai pas. Mais vas-y. J'essaye, vas-y. Envoie-moi des bonbonnes dedans peut-être. À mon avis, oh, grave, c'est trop. Je sais pas. Je sais pas, juste à l'attaquer directement sur son gros pif. Ah, et si on fait une impulsion dedans, c'est quoi l'impulsion? Bon, réfléchissons. Attends. J'arrête si je veux d'abord. Non, mais oh, qui pour les descendre dans la femme? Bon, je nous balance des canettes. Ouais. On va pouvoir s'en servir contre lui. Si on souffle. Ah putain, mais c'est moi qui dois avoir le deuxième tuyau. On est débiles. Un tuyau chacune. Va en haut, je vais en bas. Moi j'aspire, toi tu lui lances. Bah oui, mais comment on lance quoi? T'inquiète. Ça suffit. Oh non. Non, mais ça que je vais faire. Oh, le timing est mauvais, à l'évidence. Attends, va en bas. Mais on n'a pas le temps, frérot. Mais là. Non, je Mais en fait, c'est une vie, ça manque. Admirez ma puissance d'aspiration. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, va. Bah non, en fait, il... Ah, peut-être quand il pose les bras... Non, non, je pense qu'il faut vraiment juste l'envoyer dessus, on a juste un très mauvais timing. Putain, tu penses que c'est... Mais c'est super court le timing. Je pense qu'on a juste un très mauvais timing. Vas-y. Ah oui, j'arrive à aspirer les trucs. Il faut que je sois en haut du coup. Ah, mais c'était juste ça, mais oui, c'est juste un mauvais timing. Faut être réactif. Ah, et en plus, il faut se tenir loin des tuyaux pour pas avoir des trucs dans les gueules. Mais non, je me suis fait aspirer, voilà, ça me saoule. Et voilà, ça me saoule. T'énerve pas, Bibiche. Vas-y, Bibiche. Vite. Oh, non, super. Tricheur. Ok, vas-y, je les ai aspirés. Ah, j'ai tout raté, je suis désolée. Mais c'est super dur. Je pense que Ben nous a dit que tout ce qu'on a prouvé dans les niveaux, ça ne servait pas après. En fait, c'est Ben, il est mauvaise foi. Hein. Vas-y. Mais non, mais attends, si je suis plus aspirée. Bah, on lui a fait un peu. Ça.
par là. Putain, mais quelle idiote. Vas-y, vas-y, aspire. Bon, l'aspirateur, tu n'aspires plus que ce que tu es censé être capable d'aspirer. Oula, c'est français ça, hein. J'ai eu un peu de mal. Je veux dire, c'est qu'il est pas censé faire tout ça. Bon, l'aspirateur classique. Bon, l'aspirateur français. Allez, je peux pas aller plus vers la droite. Mais stop! Je me prends des cailloux! Oh, vite! Heureusement, on a vie limitée par contre, c'est bizarre. Ouais, c'est ça qu'on... Attends, je suis désolée! Non! Je suis désolée! Ne t'excuse pas, ce n'est pas Et toi le déchet maintenant. Oh, il est rancunier, hein. Ouais. Vas-y, à ton poste. Oh, il est dedans. Il s'est arrêté. Ouais. Alors on lâche. Va de l'autre côté, va de l'autre côté. Mais, il peut encore bouger un bras. Descends seul sur le bras. Essayez de nous tuer, elle a raison. Quelle femme cruelle. Quel homme mou. Quel homme mou. Mou, oui, mou. C'est dégueulasse. Mais oui, enfin. Bah oui, c'était dégoûtant. Avant qu'elle parte. Ah, j'espère qu'elle sait ce qui nous arrive. Elle sait forcément quelque chose. C'est elle qui a fait ses poupées. Elle les a fabriquées. Ouais. Pourquoi elle les a faites à notre image? Aucune idée. Et pourquoi est-ce que tu m'as rien dit? Mais pourquoi faire? C'est une môme, elle a des tas de jeux. Oui, j'imagine. Allez, on doit la trouver. On est où là? Mais qui voudrait jouer à notre image? On est tellement chiant. Oh, elle est un peu plus rigolote l'image des poupées que l'image des parents quand même. Hein. Oui, j'ai l'impression que tout a changé. Ouais, on dirait une version déformée de la réalité. Après. Force bleue. Hey, Cody. Force verte. Un, deux, trois. Regarde, c'est Rose. 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 Rose, ma puce. Vous êtes des poupées, elle va pas vous reconnaître. Elle nous entend pas. Ah, si t'avais vu tes poupées bouger petites quand même, tu aurais prêté l'oreille, non? Ah, tu n'aurais pas dit « Ah, maman, papa, c'est vous !» Comment on va là-bas? Ça alors? Tu les aurais enfermées dans une cage et toute ta vie, tes parents auraient vécu pour te divertir. C'était qui? C'était qui? Et surtout, tu aurais dit à personne. Regarde, je connais le chemin. Qui c'est? Chérie, c'est un ancien Godemiché, il va nous aider. Oh non. Mes amis, les outils. Petit avant, marteau. C'était important, on nous bichonnait, puis l'humaine nous a enfermés dans sa boîte et elle est partie. La boîte à outils de mai. Oui, oui, cette femme sans cœur, tu la connais? Non, il la connaît pas. Mais j'ai entendu dire que cette femme sans cœur a trouvé du boulot et qu'elle n'a plus le temps pour ses loisirs, malheureusement. Mais on s'en fiche des loisirs. Vous savez ce que ça fait de mourir de rouille? C'est comme brûler tout ça. Tu as cette abomination? Ah bah il est fort, le bébé. Écoutez-moi, là. Le marteau. Il y a un spray anti-rouille dans ce placard. On vous aide à sauver vos amis et en échange, vous nous amenez jusqu'à Rose, là-bas. Marché conclu. Ramasse-moi. Ok. Va jusqu'à cette grande porte, là-bas. Retire le clou, on va en avoir besoin. Ok, c'est parti. Oh, t'as cette force. Il est parti où? Siffle-le. Quoi? C'est moi qui porte, hein. Bah, oh, c'est toi qui as le bricolage, cool. Là. On a un clou volant c'est et vrai. Un marteau. On t'a rien demandé, Charlie Gals. C'est parti. Ah, on serait pas là si tu savais monter une étagère. Regarde-moi ça. Allure, utilise le marteau.
plantera dans l'œil. Là d'ailleurs, toi, je suis fan de mon nouveau pouvoir. T'inquiète pas, je sais bricoler, je te rappelle. Trop bien. Ouais, bah moi. T'en bouge pas. Bouge pas. La dernière fois que t'as pris un marteau, t'as écrasé une pipe. Ouais, sauf que... Bouge pas. Mais je vois que tu veux me planter. Mais je veux voir ce que ça fait, ça fait une animation. D'accord, d'accord. Mais tu feras attention. Mais on est d'accord, tu l'avais à l'intérieur de toi là, non? Oui. Ne bouge pas, chérie. Merde, c'était comment le tout déjà, j'ai oublié. Oh, un joli pot en céramique. Ça dégage. Mais merde, j'ai oublié comment on se sert de mon marteau. C'est quoi, j'ai déjà l'impression d'être tort. Non. J'achète. Ah ouais. Ça sort, ça. On casse des trucs. Bon, allez, soyons sérieux. Ah. Oui, mais encore. Merci. Comment que ça marche? Ah, mais attends, il y a un côté là. Vas-y. Vas-y, bibiche. Le timing est mauvais, mais la démarche vas-y, est la bonne. Vas-y, bibiche. Eh, mais il n'y a pas un truc où tu pouvais envoyer ton clou, toi? Si, si. Et moi, je passe comment, trop des fesses? Oui, tu m'avais insulté de... enfin... Non mais tu devais mettre un clou, je crois, hein. Mais où? Bah dans la petite... Là, tu vois, il y a des trous dans ce bordel. Mais non mais... Non? Mais pas à moi. Je veux pas de mon trou. Ton clou. Tu veux pas de mon trou? Bah non. Après, mieux réflexion, non. Mais je sais... Ah! Ah vas-y. Vas-y. Heureusement que c'est moi qui lui donne les directives, hein, à ce mari. Ça va, on a compris que t'étais frustrée. On a compris que je portais la culotte. C'est bon, vas-y. Merci. Oh. Instant de karma. Merci. C'est qu'elle est mauvaise. Mais je savais que tu serais assez rapide. Ouais, lance ton marteau. Ouais. Où ça? Là-bas, le point bleu. Là. Je peux pas lancer mon marteau. Bah, je sais pas, fais quelque chose. Bah, je peux pas décrocher le. Mais saute, essaye de sauter jusqu'à lui. T'es sûr qu'il nous manque pas quelque chose là? Bah, non, je pense pas. C'est bleu en tout cas, c'est pour toi. Ah. Oui, d'accord. Bah, il fallait faire ça, mais en avant. Ah, j'allais dire, c'est qui cette bonne mère? C'est le marteau! Maintenant, où est-ce que je vais? Et c'est la mort! Comment je t'attends? Je peux passer, moi? Mon perso, il a les bras en l'air, genre moi! Bah oui, mais attends, toi. Attends, et moi je peux. Attends. Vas-y, viens! Vas-y, je t'ai fait une plateforme, je crois. Ah, merci. Hey, t'es sérieuse? Tu l'as fait exprès? Non. On doit ripper. Ouais, c'est ça. Mais regarde comment elle est mauvaise. Oh non, je suis obligée de te trouver, mais je m'en fous de te trouver. Je sais où tu es, j'ai bonne mémoire. Oh, zut! Bonne mémoire, mais pas de bon réflexe. Non, et en plus, je sais pas ce que j'ai foutu. Bah, il faudrait que... Attends. Cody, récupère ton clou. Est-ce que tu peux envoyer le clou sur la plateforme Oui. J'essaie d'éventuer l'homme de la situation. Chevauche mon clou. Oh, zut, il fait que je fasse un monceau. Tiens-toi bien. Encore un clou, on va se faire. Youhou, je suis toujours là. Hey, top bon, s'il vous plaît. Oh mon dieu, cette victime. Ouh, je suis toujours là. Munition. S'il vous plaît. Ah. Attends, j'ai mal timé. Vas-y. Stop ça.
Vas-y, tape. Bah non, monte sur l'autre. Pourquoi? Ah oui. Vas-y, vas-y. Viens taper avec ton puissant marteau. D'accord, mais moi je monte comment? Alors je ne sais pas, là-bas je peux envoyer des clous, mais ici... Je peux pas viser comme ça? Non, ça... Je casse pas de bouteille comme ça! Ah, attends. Vas-y. Attends. Vas-y. Vas-y quoi? Tape! Non, l'autre. Y'a pas un truc à faire là? Je sais pas comment. De toute façon, c'était pas tout, ça n'a pas de sens. Attends, et si j'actionne. Ah, vas-y, monte. Monte sur celui-là. Monte sur le deuxième. Tu vas les envoyer sur le truc. Oui, vas-y, vas-y. Bon déjeuner à toi, Light Dark. Non. Assez de force. Mais de toute façon, je pense que tu vas devoir y aller toi, parce que je crois qu'il y a des bouteilles à casser. Donc... Comment tu fais toi, juste tu sautes par dessus? Eh non. Il nous manque un truc. Alors. Manche ce mécanisme. Eh, tu pourrais pas envoyer un truc dans les poulies là en haut? Les poulies, non, mais là j'ai l'impression d'avoir bloqué un truc. Reviens taper. Ouais. Ah t'es où? Ça c'est quoi? T'es où? C'est quoi ça? C'était le pont par lequel je t'ai fait passer. Ah, c'était le pont. Par où? Ah, regarde, il y a un truc en dessous. Ouais, c'est bon. Et du coup, là aussi, à mon avis. Regarde. Et ouais. Ah, vas-y. Mais. Ah! Vas-y. Nice. Fais réfléchir un petit peu. Vas-y, casse. Brise-moi ça. Oh, j'ai encore mal, tu sais. Oh, pas moi. J'ai rien fait. Mais je suis dans quoi, là? Le sol? Tu m'as enfoncé comme un clou. Attends, tu veux me cogner? Vas-y. Mais non, je vais pas te cogner. Mais cogne-moi. Pardon pour faire ça. Putain, c'est humour. J'ai pas mes... Attends, j'ai pas mes deux clous. Ah non. Voilà! Ah, les clous, attends! Chaque relation présente son lot de défis. Et les défis vous font grandir! C'est quoi votre problème? Vous pouvez pas nous laisser tranquilles? Oh! Quand on accepte de relever un défi, on apprend quelque chose de nouveau! N'oubliez pas! C'est violence conjugale. C'est à coup de marteau, on se balance des clous. Suivez-le! Continuez à le suivre et vous trouverez Merci, le défi Adam. Que vous cherchez! Wow! Bienvenue dans votre premier défi de couple. Gagnez ou perdez, mais vous devez jouer ensemble. Je veux mon clou. Je crois qu'on n'a pas le choix. Bon, tu veux essayer? On n'a pas le temps pour ça. Quoi? T'as peur de perdre? Moi? Là, tu rêves. C'est parti. T'es toxique. Au lieu de juste le faire de bon cœur, parce que sinon ils ne redeviendront pas humains. Attends, mon clou. Hé, Cody, y'a mort! Dis donc, oh, je me plante pas. Qu'est-ce que je fais? Alors, toi tu frappes et moi je dois éviter de me faire toucher. Ok. Ah, on fait des jeux pour redevenir copains en se tapant dessus. Si, voilà. Attention à ta tête, Cody! Ah, tu mourras pas. Je suis vif comme la. C'est pas la vie de mon marteau! Ah, j'y arrive pas. Joli coup.
taper. Ah non, il y a une vitre. Il y a un truc là ici. What is that? Mais un coup. Attends. Là, il y a un escalier. Attends, là je vais te mettre des clous là. Viens là. Là, ici. Est-ce que c'est une indication assez précise? Là, ouais, ici. C'est ça. On vient littéralement de voir problème de couple, la violence conjugale est la solution, mais avec le sourire. C'est ça. T'appuies dessus, je te dis. Mais plus fort. Battez-vous avec amour. Sauter dans le mauvais sens, j'ai des problèmes de coordination. Par contre, il me faut remonter les escaliers à chaque fois, c'est pas cool. Hop. Tu me dis quand je peux jouer. Hein. Ah oui, quand j'aurai besoin de toi, je te. Fais pas la maline. Mais t'avances pas, si j'avance pas. Tu te punis autant que tu me punis. C'est bien le principe de la coop. Bon, par contre, les escaliers là, ça me saoule, ils sont où? Ah. Hop. T'es pas une jambiste, c'est pas si dur de monter des escaliers. Oui, mais j'en ai marre. Hop, hop. Oh, mais je ne. J'y arrive pas. Je vais arriver. Il faut que mon cerveau synchronise. Un peu de coordination. Ok. On saute et pas dans le sens. C'est pas possible. Je suis désolée. De toute façon, je ne joue jamais à des platformers parce que je suis pas bonne, tout simplement. Je vous ai dit que dans Elden Ring, je suis morte plus de fois en tombant sur des parois étriquées que contre des boss. Ah, tu veux que j'essaye? Oui, mon saut ne vaut pas un clou. Je pensais que tu pouvais attraper avec un. Non, tu attrapes avec gâchette droite. Ok. Gâchette droite, ensuite il faut faire A et rattraper. Ouais, j'ai fait gâchette droite. Ben t'appuies sur A et gâchette droite, t'arrives sur le truc. Et re A pour sauter. Ah, c'est pas facile, effectivement. Parti dans tous les sens. Attends, mais je vais essayer une fois. Vas-y. J'y crois, cette fois c'est la bonne. Bah, moi, pas du tout, tu vois, j'y crois pas. Moi, j'y crois. Ah, RT. Ah. Peut-être que j'ai mis le clou. Ah. Peut-être que j'ai mis le clou trop loin. Non, je crois qu'il est obligatoirement comme ça. Ah. Bon, Denis Brognard, ça suffit. Ah. Non, RT. RT. Oh, tu étais presque. C'est la panique. On a vu quelqu'un panic roll en live hier dans un bar. C'était très drôle. Ah oui, mon dieu. D'un coup, tout à fait normalement, on discute et puis quelqu'un se met à faire roulade sur roulade jusqu'à se prendre la porte des toilettes. C'était assez drôle. D'ailleurs, la justification de la personne qui voulait aider à se relever celle qui roulait, c'était « Non, mais c'est ma sœur. » Oui, d'accord. Il n'explique pas pourquoi votre sœur se roule comme ça. Oui, elle était par terre dans le bar. Digne d'une lady. Oh. Oui, toi. Tiens. Merci. Qu'est-ce que t'as dit, imagine? Sarah, c'est le cerveau et Elisa, c'est... Bah, c'est Elisa. Pardon. Ça, attends, je peux pas sortir du cadre, je vais me faire agresser, sinon. Aïe, aïe, aïe. Ah. Non, mais moi, la coordination, c'est pas facile, hein. J'ai un passé d'animatrice et quand je voyais les enfants ne pas réussir à faire certains trucs, j'étais outrée, mais finalement j'ai compris. Wouhou! Regarde le volet! Oui, je te vois. Ouais, je te vois. Allez, viens passer ton gros boulard. Mon gros boulard! C'est tout? Et où tu vas? Pourquoi tu cours comme ça? Tu peux comme ça depuis le début? Bah oui. Oh mon dieu. Et moi? Oh attends, j'étais pas passée. Tu vas pas m'enfermer de l'autre côté? Mais non, bébiche. Ah, fallait que je fasse contrepoids, ok, j'avais pas compris.
C'est bon, j'ai. N'empêche, avec cette femme, j'ai le temps de paniquer. Hein. Vous imaginez en situation de danger? C'est Elisa, je comprends pas ce qui se passe. Oh, Elisa, je me noie. Oh, c'est bon. Attends un peu. Roue des interrupteurs. Qu'est-ce que c'est? Alors. Et là, c'est moi qui dois taper là-dessus. Hein. Donc tu m'as oublié. Attends, je vais essayer de le tuer. Allez, là, hop, dans sa sale bouche. J'ai été abandonné par moi. Ça, je reconnais, c'est un boss d'Elden Ring. Bah oui. Ça, j'ai compris. Tu vois, t'es une pauvre femme, t'es pas du tout indépendante, t'arrives à rien sans moi. Bah vas-y, je te laisse faire, continue le jeu. Oh, même dans ton ego de femme, dans l'oreille, t'es en mode, quoi? Je suis pas indépendante. Moi? Qui ose? Je change mes ampoules toute seule, non, madame? Sans couper l'électricité. Mais ça va, Ben et moi on avait le flash pour le toilette. Oh bah oui, super. Ils partent en camping tous les soirs, tu sais. Vous pouvez pas. Ça va. Bon, où es-tu, mon dulciné? Je ne te vois point. Mais... Bah oui, mais comment on fait maintenant? Est-ce qu'on se serait pas bloqué? Ah non, t'inquiète, t'inquiète, j'arrive. Allez, je suis venue par où? Bah t'es venu par la porte devant laquelle t'étais, que j'étais en train de tenir en faisant contre. Oui. Bibiche, je sais pas où je suis. Ah si, là, viens. Comme ça. Là où j'étais. C'est-à-dire. C'est pas moi, hein, devant toute seule. Allez, viens. Mais où? Là, je t'ai fait un chemin. Ah. Viens, Bibiche. Mais... Mais tu vois bien que je ne peux pas venir, où es-tu? Mais non, mais donne-moi ça. Mais... Bah oui, je suis bloquée. C'est bien ce que je te dis. Non, mais ça s'énerve contre moi comme si j'étais bête. Mais je suis bloquée. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Comment ça, comme si? Comme si quoi? Comme si tu étais bête. attendez, ça va pas du tout. Mais qu'est-ce que t'as foutu encore? Mais moi, c'est ma faute! Mon dieu, il n'y avait pas de problème de couple entre nous, il va y en avoir après ce jeu. Oh, bah super. Non, par contre, non, vraiment, je me pose la question, parce que tout à l'heure, tu es passé par là, moi oui. J'ai fait contrepoids. Et finito. Sauf que moi j'étais bien de mon côté, je faisais le coup de marteau, la bim. Et maintenant je suis bloquée. Donc si tu pouvais revenir sur la plateforme qui est là, me remettre les marteaux. Oh non, ça veut dire que je suis obligée de refaire le truc, putain. Ben monte, tourne, ouais, monte là, non, sur le côté, Elisa. Ah, j'aurais dû bloquer. T'as, c'est quoi? J'aurais dû bloquer la porte avec un clou. Ben oui. Vraie astucieux. Eh, hey, dis. Eh, hey, tiens, derrière toi, sur le côté. Tu montes cette plateforme, tu me remets deux clous et moi je galère pendant 5 minutes. Ah, dans 5 minutes. Je peux pas monter. Mais si, il fait un double saut. Non, je peux pas monter, je te dis. T'es trop gros. Tu vois que tu pouvais monter. Bon, je remets tes clous. Hé, hey, j'ai pas dit sur moi. Saloperie, va. Hey, sois sérieuse, Elisa. Mais je fais rien là, je t'aide. Ok, ok. Allez, viens. Bon. Ok, ok, j'étais pas synchro, j'avoue. Pas besoin de te mettre de malus à toi, tu fais toute seule. Gna gna gna. Alors. Pourquoi depuis tout à l'heure je galère et là j'y arrive du premier coup? C'est ce que tu m'as vu faire. Comme si j'avais besoin de toi. Attends, attends, viens, on le fait au cas où. Mais non, ça marche plus. Mais non, plus. Ça sera avec la plateforme, patate. J'avais oublié. Et maintenant que l'homme du couple est arrivé, on va pouvoir s'occuper du truc chelou et devant lequel t'étais. Mais, et derrière, c'est quoi? Attends, derrière, il y a un truc. Viens ici. Mais attends, il y a un truc où je dois appuyer. Mais là-bas. Tu vas où, Caroline? Mais là où t'étais tout à l'heure, regarde, il y a quelque chose là. Mais attends-moi, Caroline. Vas-y.
Attends. Il faut que je tue qui? Ah, c'est un mini-jeu, tout ça pour ça. Ah, trouver les cibles pour marquer. Frapper les cibles au marteau pour marquer. Toucher. Mais c'est plus dur, moi, oh. Bah... X impulsion. Les clous sont plus forts que ton marteau. Tu parles. Regarde un peu. Mais moi, je vais la rappeler à chaque fois, c'est vrai. Je peux faire quoi? Je comprends pas le bout du jeu. C'est pas le bout du jeu. Je comprends pas le bout du jeu, Lisa. Il faut toucher les cibles. Quelle cible? Eh, hey, tu m'as embauché. Ah, ok, d'accord. Ok, on refait parce que j'ai pas compris les règles. Comment ça on refait là? Mais j'avais pas compris les règles. Quelle mauvaise joueuse. Vas-y. Elisa, la cause et la solution à tous vos problèmes. Ouais. Poison égal, c'est ça, exactement. Allez, cette fois, si tu me défais, ce sera... Mais pourquoi on doit recommencer? Pourquoi je dois mettre mon titre en jeu? Je vais dans l'autre sens. Mais vas-y. Ah, mais faut que je fasse des impulsions, je suis con. C'est dur! Là, t'as gagné. Je vais faire une petite coupe au bol, moi. Allez, barre-toi. Ça vous irait? Ah, mon Mirail, ça te plairait, mon Mirail? Ça ira. Je suis sûre que tu le porterais bien. Ça suffit. Ça mettrait en valeur tes yeux bleus. Oui, et mes oreilles. Super. Bon, ok, un petit mulet. Allez! Qui c'est le papa maintenant? Ah ben moi je me casse, hein, on va rejouer. Viens ici! Jamais je ne reconnaîtrai que j'ai besoin de tuer! Oh, j'ai sauté dans le mot d'essence. Comment ça que Comment ça, Sarah, désavantagée? Mais oui, on est d'accord, hein! Oh, je suis pas dans le. Oh, mon oreille! Mais moi j'ai l'impression que c'est plus dur de mon côté, mais peut-être que je me fais des films et que je suis mauvaise. C'est plus dur d'être une femme. Moi je suis là à courir comme une clocharde et à taper pendant que toi t'es là en mode piou piou piou. Attends, moi j'ai rien dit, je sais pas qu'il faut faire quoi. Pourquoi je suis où moi? Ah c'est toi tout seul, comme un grand. Ah non moi aussi, pourquoi je suis en haut maintenant? Oh. Je sais pas pourquoi elle dit Cody, fais pas tout foirer. Je vois pas. Ah, c'est ok. C'est censé m'aider pour que je ne me fasse pas écraser, je pense. Ok, j'y suis. Fais attention à moi. Je sais pas comment t'aider, moi. T'es mignonne, toi. Mais. Non, pas, non, pas, attends. Je te mets les. Je vais te les mettre comme il faut. Oh, là, je suis tombée toute seule. Vas-y. Bouge pas. Oh zut, j'aurais dû rester dessus. On va pas écouter. Bouge pas. Mets-le moi bien le plus proche. Hein. Voilà. Nickel. J'attends que le truc. Oh. Il remonte. Attends. C'est moi, je pense. Non, si, je t'ai mis un petit coup sur la plateforme jaune. T'aurais fait comment sans ce petit clou? Yes! Comme ça. Oh, ils sont gentils, mon Romina. Hop. Laisse pas tomber, elle est si fragile. Famille, c'est facile. Mon dieu, tu me mets des musiques nulles dans la tête. Mais c'est le chat! Vous mettez des musiques nulles dans le chat. Et maintenant, moi je fais quoi, Gwendoline? Mais attends, mais moi je suis pas arrivée, pourquoi il y a un spray là? Tu peux pas me coincer cette plateforme là? Non, mais va là-bas, regarde. Ah oui. Attends. T'as encore fait les choses qu'à moitié? En fait, je fais les choses qu'à moitié. Allez! Comment tu reprends mes sens? Ouais, qu'est-ce que. Ah! Ah oui, d'accord. Est-ce que les coups sont bien passés finalement? J'ai un doute. Enfin. Donc. Quand le coup est en haut, bah non, il faut que les deux soient en haut. Oui, je pense.
Ouais, sinon tu... Enfin, tu peux... Sinon tu peux pas... Ah, faut que je te mette un autre... Quand tu sautes, faut que je te mette un autre coup, peut-être. Saute. Peut-être qu'il faut que je te mette d'autres coups, je sais pas. Vas-y. Attends. Vas-y. Vas-y. Attends. Attends. C'est on a trop attendu. Non, c'est l'autre. Récupère l'autre. Oui, mais je suis obligée de tout récupérer en fait. Ok, vas-y, envoie le jaune. Attends, on va. Et tu m'envoies l'autre au fur et à mesure. Mets-moi le jaune. Oh, t'es obligée de commencer par l'autre. Mais en fait, comme ça, j'aurai qu'à rappeler l'autre. Ce sera plus simple. Tu sais, de placer le premier clou et après de voir. Bah non, parce que quand je suis dessus, je suis obligée d'être dessus pour switcher sur l'autre. T'auras pas le temps. C'est pas faux. Ok, c'est maintenant. Mets-le en haut. Okay. Bah non, c'est pas... Enfin... Saute. Oh mais je saute pas dans le bon côté là, ça me saoule. Merci Kalem. Le split de l'écran s'est changé tout seul. Ah oui, vous voyez rien, il voyait rien. Ah mon dieu, mais oui, pardon. Attendez. Oh, j'ai encore sauté. Attendez, personne. Personne ne s'est plaint. Mais si. Attendez. Mais pourquoi je peux pas nous attraper? Non, c'est bon. Donc, clique-moi sur la fenêtre. Recule sur le jeu. Attends. Oui, merde. C'est pas pratique à streamer, il faut changer la cam tout le temps. C'est vrai que c'est pas pratique. Je vais mourir! Voilà. Bon, attends. Quand je suis en haut, il faut que je reste en haut. Non, mais c'est moi qui time mal mes sauts. Hein. Il faut que les deux sautent en haut. On va dire bon, là. Ah non, mais pas lui, pas lui. T'inquiète. Vas-y. Maintenant! Oui! Ah, bien sur la petite plateforme. J'y arrive. Ah oui, du coup, faut remettre la caméra. Ah mais oui, oh là là. Merci Crash Shooter. Et Kellem. Du coup, on voit plus. On voit plus. Hop, qu'est-ce que... Oula. Tu veux te lever? Non, juste... Ah, ok. Alors. Ah, j'ai couru dans les scies. Oh non. Putain, clou, parasol. J'ai besoin d'une accélération. Quoi? Voilà. Ça en fait. Bah oui, qu'est-ce que je dois faire avec ce clou? Là. Là. Regarde-moi, appuie sur RS. Est-ce que tu vois les trucs jaunes là, tout en l'air? Ouais. T'approches pas trop. Non. It's too soon. Bon. Oh, il me change la caméra, ils me l'ont mis en cette crawler et je vais mourir. Super. Bon, toi, c'est quoi ton problème? Alors. Ah, mais oui, c'est ça, faut juste que tu t'aimes et quand j'appuie sur pouf, ah, tu décolles. Cours! Allez, bien. Ouais, retourne en arrière parce que tu veux. Ok, attends qu'elle revienne. Go! Voilà. Ah, attends, moi je vais de côté. Non, je choix! Oh, je choix.
mais oui. Bah attends, mais tu n'es pas synchro, Elisa. Il faut faire un peu trois clous. Fais-moi la première plateforme. Ok. Fais-moi la deuxième. Oui, enlève la première. Enlève la première plateforme. Ah, mais pas celle-ci. Pardon. Ok, enlève la première. Non. Belle. Mais non, mais en fait, je peux pas choisir le clou que j'enlève. T'es sérieuse? Oui, je t'assure. Attends, il faut d'abord que je mette celui-là en premier. Oui, d'accord. Comme ça. Vas-y, enlève le clou. Mais pas en visant sur celui-ci, hein. Vise sur l'autre. Ok. Non, putain. Vas-y. Vite. Et non. C'est un attends, chèque. Attends. Il faut que j'ai. Il faut que je me coordine. Et ça, c'est très très dur. Je confirme, j'aimerais pas être à ta place. C'est affreux. Première plateforme. Première plateforme. Deuxième plateforme. En fait, mur de c'est gauche. Le, c'est le. Plateforme 3. Mur de droite. Plateforme 4. 1, 2, plateforme. Bon, bref. Je me souviens, je l'ai dit une fois. Ouais, t'inquiète. Ok, let's go. Plateforme. Oignon. Oh. Bon, moi, je peux me mettre une. Attends. M'enlever celle-ci. Vite, je glisse! Je l'autre pas. Plateforme, mais je peux pas ça! Il faudrait que tu mettes ça! Ah! Genre, qu'est-ce qu'elle veut? Attends. Mais dans 2 heures, quel mauvais! Vas-y, on va y arriver. Alors. Vite! Aïe aïe aïe! J'avais pas essayé pour ça jusqu'à la mort, je sais pas, c'était pas ça dans mon esprit. Essaye de faire un saut long et de te projeter, voilà, comme ça on a pas besoin du premier, comme ça j'en ai encore un autre. Ici j'appuie. Oh bah non, là je me. Bon, je me suis foirée toute seule, mais j'ai pu me récupérer. Ah! Mais qu'est-ce que. Quoi? Qu'est-ce que c'est. Oh. Vas-y. Tu me l'as pas mis, tu me dis vas-y. Et moi je t'écoute comme une idiote. On va y arriver, on va y arriver. Ok, concentration. Bonsoir dragon direct, hein, déjà. Bonsoir, ça pue la défaite ici, oh non mais oh. Mais c'est toi qui pue enfin, jeune homme. Je te propose d'essayer, on en reparle. Du coup, deuxième plateforme. Allez. Ok. Ok, vite avant que je glisse. Enlève-moi la plateforme avant que je glisse. Ok, je me laisse glisser volontairement. Vas-y. Ok, ne m'enlève surtout pas cette plateforme. Attends, 2 secondes, on réfléchit. Il faut que tu mettes. Il faut que tu remettes cette plateforme là. Oh non, tu as fait une bêtise. Il faut que tu remettes celle là et ensuite moi je saute pas. Mais Elisa! Mais. Non, j'ai. Ok, on y est presque. Tu veux essayer? Non. Tu veux que je te le fasse? Tu veux, c'est un appel au secours ou tu te sens? Non, t'inquiète, t'inquiète. Ok. Ok, plateforme. Enfin, deuxième. Vite. Le deuxième. Le deuxième. Merci. Le deuxième. Le deuxième. Ok, vas-y, enlève tout. Bah, sauf là où je suis. Vite. Le petit. Ça là, oui. Oh, c'est trop tard, j'ai chu, remets-moi ça. Non. Mais je ne choisis pas quand les clous sont là. Vas-y, on va essayer dans l'autre sens. Comment tu jettes tes clous? Oh. Ah non, mais il faut que tu prennes ta manette, hein, toi aussi. Ah, des calamités. Alors attends. Oula, je suis du père. Bah, je suis où moi? Alors, c'est. Pour, c'est Y pour rappeler les clous et c'est gâchette pour tirer dessus. Rappelle tous tes clous, il t'en manque un là. Oh,
reste en haut, j'essaie de... Vas-y. Oh putain. Ah, tu les récupères tous d'un coup? Non. Ah. Attends, mais laisse-moi faire un test en vide avant de tourner. Ok. Ok. Si je veux récupérer lui. Ah oui, il faut juste faire une... Il faut juste se mettre un truc. Bah vas-y, je t'en prie. Ok. Vas-y. Vas-y, je peux te faire confiance? Oui. Reste en haut, hein. Laisse-moi juste attendre un petit peu. Remonte, remonte un coup, remets-toi bien en haut. Ok, t'es en haut. Et non, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Je suis désolée. J'ai appuyé sur la gâchette. Alors. Ok, ok. Ensuite. Vas-y, Lisa. Il n'y a aucune motivation dans ce saut. Elle oui, j'ai vu. Elle s'est laissée mourir. A-A-Y. Comment ça, Y? Bah, Y pour l'impulsion. Mais c'est X, l'impulsion. Bah non, c'est Y. Non, c'est X. Ah merde, bah j'appuie sur... oui, bah je... Ok. Diclix, Disley. Oh, j'étais pas concentrée moi non plus. Ouais. Ok. Lui, je te le remets, parce que tu en as besoin. Comment ça, Sarah, une meilleure idée de ce qui peut être fait? Genre, vous voyez bien qu'elle galère aussi? Ah non, mais si, je sais ce qu'il faut être fait, mais c'est juste que je connais pas tes contrôles. Bah oui, c'est la faute des contrôles, évidemment. Bah, je viens de prendre ton gameplay. Alors. Oh, j'appuie sur Y encore, Elisa, je suis une merde. Non, désolé, j'appuie sur le mauvais bouton. Gâchette. Gâchette, tu tires, Y, tu récupères. Gâchette, tu tires, Y, tu récupères. Ok. Ok. Trop tôt, pardon. Oh my bad. Hop. Donc là. Là. Vas-y. On aurait dû mettre le compteur de mort aussi, c'est non, mais grave. I'm ready when you are. Ok, reste en haut pendant que moi je récupère gentiment lui. Remets-toi en haut, dis-moi quand t'es bien. C'est bon. Mais l'autre. Ok. Non, bouge pas. Ok, donc, bouge pas. Je récupère Bibi. Maintenant, je te remets lui. Et je vais te Je dois sauter là? Ok, non. Oui, maintenant tu fais tac, tac. Ok, bouge plus. Y on récupère. Hein. Y on récupère. Je vais récupérer lui. Doucement. Gâchette on envoie. Vas-y saute. Bah non, t'as plus besoin de moi là, non? Bravo. Mais vite! Bravo! Désolé, bon, honnête. Quoi? Les mains chaudes. Oh oui, bah de toute façon, je baigne dedans moi aussi. Hein. Ah, c'est dégueulasse. Oui. C'est ma mouette. Sarah, the big brand, c'est la boss, away. Pardon. Je suis quoi, moi? La baronne à deux de cuit? Tu fais des bulles en riant, c'est indélicat. Ah, oh, ça me fait rire. Seulement 48 minutes. L'important c'est d'y arriver. Qu'ai-je dit? Tous les chemins mènent à Rome. C'est ça. On va pas dire combien de temps. Bon. Bon du coup moi comment je passe maintenant? Je suis où d'ailleurs? Ah mais oui, mais j'ai repris la manette, c'est à moi en de continuer. En 5 minutes Sarah a réussi à mieux coordonner les touches. Quelle aime! J'en ai marre. Qu'est-ce que c'est sa magie nécrashooter? Comment vous pouvez manquer de respect? Votre baronne. Crashouter était banni pendant 600 secondes. Un peu moins qu'elle aime quand même. Un peu moins quand même. Il a dit quoi, Crashouter? Crashouter est en mode Sarah l'a compris plus vite. Oh. Le pauvre. Il méritait pas un ban pour ça. Mais non, il a été ban temporairement. Il méritait quand même pas là. Il devait être en train de se dire qu'est-ce que j'ai dit. Je crois que quand t'es ban, tu peux encore voir le chat, mais juste tu commandes plus. Ah! Ah, c'est le bouton de base, les 600 secondes. Ah oui, oh. Ça ne rigole pas. 600 secondes, ça fait combien de minutes? 10? Bah oui, c'est long quand même.
Alors, je t'attends, Pierrot. Imagine, imagine, il a été épargné parce qu'il a dit « Ah bah toi, tu illumines de ta présence !» Kalem, il a fait « Bon, ok. Crash autant, mais plus jamais. » Mais du coup, il a 600 secondes plus 100 secondes. Non, non, ça a été rectifié. Aïe, aïe, aïe. Merci, Kalem. Oui, rappelons-le, ils sont toujours dans leur jardin. Je suis sûr que dès qu'ils seront humains, ils rangeront tout plus mieux. Tous plus mieux. Encore un combat de boss, mais on a dit qu'on allait les huiler là. Pourquoi il est pas content? T'as tout plein de coups là, alors à mon avis. Et qui fait le monsieur? J'ai un coup en plein cœur. Bah oui, c'est ce que tu me fais depuis tout à l'heure. Oui, mais là je suis devenue tout rouge. T'en tireras pas comme ça, sale boîte à outils. Des coups partout, des coups partout, des petits coups. Ça fait quoi ça? Hé, j'ai besoin de toi, faut que tu viennes. J'arrive, Caroline, qu'est-ce que tu fais? Regarde, vite la plateforme. Je me suis suicidée, pardon. Oh non. Annie! Bon? Ouais. Oh, attention! Mais regarde, c'est trop perso qui est embroché. Ah, il faut tomber un coup en face, regarde. Mais toi là, il envoie pas de coups là. Mais. Oui, bah, bien, bon retour parmi nous, Crash. Bah, bolobopa. Bon. Bon, toi, ne va pas sur la plateforme, ne te suicide pas. Bah, non, j'avais bien fait. C'est quoi? C'est du gilet? Ah, mais elle était déjà activée! Comment alors... ça va, Crash Shooter? Attention! Oh, mais zut! Oh, j'ai mis ce clic au moment où je devais me revive! Oh, bon, ça va. Putain, mais le jeu est pas punitif, hein, ça change de. Bah, c'est pas. Pourquoi j'arrive pas à sauter? Je suis nul. Pardon, j'ai pas réussi à me réanimer non plus. Ça va, tu t'es suicidé deux fois, je t'ai rien dit. Mais j'ai rien dit, j'ai dit on se essayera. Mais. Pourquoi je rate le. Pourtant je saute, je comprends pas. Est-ce qu'il y a de la. Allez, noob! Non, en fait, il faut que je saute bien avant, il n'y a pas de dernier moment qui tient. Oh, oh la chance! Je suis passée à travers le mèche. Va taper! Ah. Quoi de subir ce qu'on fait? Vas-y, la bloque. T'as réussi? Ça va, oui. Mais non? Bah si, j'ai réussi. Et moi, je peux du cul? Maintenant que tu le dis. Ah! Saloperie! Vas-y, bloque-moi. Allez, monte. Viens ouvrir! J'ai même cassé deux bouteilles pour que tu puisses passer. Merci. Allez, juste là.
Vas-y. Tac. Vite. Eh mais bloque-moi, toi tu me laisses comme un vagabond, moi je suis en mode je dois tout faire par moi-même. Pardon. Mais tu veux que je te bloque comment? Mais là il y a un petit zigouigoui. Reviens vers là, reviens vers moi. Vas-y, allez tape. Pas mal, Tony. Ouais, pas mal. Allez. Allez, Carole. Allez, Caro. Alors je sens une feature, on va devoir marcher sur sa main. J'aime pas la caméra. Ah non, parce que je regardais ton écran. Toi là, bloque-le là là. Mais touche-toi du milieu, mon dieu. Oh bah c'est ma faute, quel malheur, mais quel mauvais foi. Au milieu celle-là. Ouais c'est ça là. Pire qu'une paire de couilles. On n'a pas passé la phase 1, c'est parce que t'es pas assez rapide. Vite. Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, fais-moi traverser. Ah oui, on voit d'autres clous. Ah. Il faut que tu enchaînes 3 clous. Mais... il y a volonté de nuire là, hein. Non mais t'inquiète, maintenant j'ai coupé. Vite. Je vois pas où je dois mettre le troisième. D'accord. C'est moi qui devais sauter. Ah. Trop de coordination à faire pour un simple coup, boss. Fous-lui le bec. Saute. Oh non, je suis dans le mauvais sens. Allez, allez. Oui, bah c'est bon. Ça me gratte le nez. Quel rapport, moi. Mais j'avais pas le temps. Putain, mais... je tombe à l'empro. Ah. Oui, je reviens. Vite. C'est bien, bravo. Ah non, mais deux fois le même coup. Accroche-toi! Elle a lâché le marteau! Le marteau! Mais comment je fais moi sans. Ah. Ça doit faire mal. Heureusement, c'est un marteau rebondissant. Il a son anti-rouille! Il est content maintenant. Sa tête! Ah, ça va être à moi! Quoi? Il s'est fait scalper! Et moi je dois lui sauter dessus pour le plouc! Ça va être compliqué. Mais attends, mais la range elle est énorme! Non, mais il y a un moment où il arrête de bouger, c'est pas ça.
Ah oui. Mais c'est pas moi qui dois taper, tape le poteau. C'est pas l'heure de négociation, Cody. Vas-y, tape Cody et moi je te tape. Oh, mais c'est trop rapide. Je ne suis pas une mouche. Combien de fois il tape avant de rester bloqué au sol? Là. Ah, oui, toi, tu es monté. Les clous dans l'aérosol. Ah, d'accord. Elle a dit. Ah, j'ai pas écouté. Mignon. Putain, c'est trop dur. La dark solisation de la boîte à outils. Oh, il m'a poussé. Salaud. On va y arriver. Jamais ça se plaint. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Light Dark? Je suis toute oui. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, voilà, je lis le chat, je tombe dans les trous. Erreur fatale de lire le chat. Oui, je continue, je continue. Ok, la tapette. Je suis morte, comment tu veux que je te fasse? Vas-y, tape! Ça va, ils sont gentils, c'était que. Alors, moi je pensais qu'il allait refaire le pattern trois fois, comme tout à l'heure. Ouais, tu me diras dans toute façon. Toute la forme. Mais là, ça va être chaud. Ah non, il va juste nous taper. Regarde. Ah là, trois fois, du coup. De se faire empaler, ça. Et y a-t-il une bonne façon de se faire empaler? Ah oui. Hey, regarde. Oui, oui, y a une bonne. Dans la délicatesse et le charme. Ah, il faut des trucs dégueulasses. Ah non, c'est bon, c'est pour aller te faire empaler, hein, c'est pas bien mieux. Une production Golden Poop. Elisa m'a pris de court avec ce « Ah oui, suave ah !» Vous êtes notre héroïne. Merci, Marteau. Hey, et moi alors, hein? Je suis pas un pecno, moi. Et je suis pas un héros. Vous avez vu cette explosion? Bon, enfin bref, on a toujours pas retrouvé Rose. Ça, c'est parce que tu me castres que je suis plus heureux avec toi. Faut qu'ils aillent de l'autre côté. T'as essayé d'être l'homme dans ce coup, tu as échoué. Il faut bien que quelqu'un se dévoue. Wow. On se place. Montez à bord.
Ok, moi, vous êtes sûr? Vous ne risquez rien. Ok. Oh. Je le sens pas, ça me dit rien. Détendez-vous. Ok. Ne vous inquiétez pas, il est très précis. Sébastien, balance. Voilà, je ne sais plus si je t'ai dit bonsoir, alors bonsoir. Rien doute. Oh non, elle s'en va. Rose, attends, on a besoin de toi. Mais non, vous n'avez besoin que de vous-même. Maman et papa, ferme pas la porte. Oh! Palette! Rose! Non, je pense pas qu'elle aime. Je pense pas. Coincé ici maintenant. Être coincé, c'est juste dans la tête. En ne regardant que la. Dites ça aux gens qui sont séquestrés. C'est dans ta tête. Ok, pour info, il n'y a qu'une seule porte dans cet abri. Et une fenêtre. Mais c'était même pas dans la maison, c'était dans l'abri, le jardin. Mais oui. On va à la fenêtre. Ok. Si vous avez vu l'attaque des titans, ils auraient su comment attaquer leur fille. Wow! C'est trop satisfaisant. Pour une fois que j'avais quelque chose. Waouh, j'ai mal sauté. Ouais, moi aussi. Et te casse pas la figure. Ah, t'inquiète pas. J'ai chopé le truc. Bonsoir, Evalope. Bien, je joue tardivement car tels sont mes horaires. La baronne vit en décalé. Vous savez, généralement, mes journées commencent à 15h. Il faut aller où après? Ah, ça aussi, ça marche. Oui, faisons du surf sur les câbles électriques. Oui. Dis donc, il est vachement aux normes cet abri, hein. Ah non, mais... Je leur fais venir... Je suis où, moi? Oh. Tout à fait, je suis une baronne vampirique. D'où mon teint. Non, mais c'est trop nul. Ah. Il faut bien viser, c'est compliqué. Hey, pourquoi je me suis pris un truc électrique? En fait, c'est perturbant qu'on est sur la même ligne. Oui, bah écoute, il faut faire de la place pour deux reculs. Et Dieu seul sait que le temps ne t'a pas épargné. Oh bah super. Hop, voilà. Ce n'est pas fini. Là, car vous êtes jeune, mais la vieillesse pointera. Pourquoi on parle de notre vieillesse là? J'ai loupé 2 minutes. Vous m'avez hurlé dans l'oreille. Non, et demandé pourquoi je streamais aussi tard. Mais tout simplement, oui. Ben et moi. Parce que c'est un vampire, tout simplement. Ben et moi vivons en décalé, on voit très peu la lumière du jour. C'est pour ça qu'on est blanc comme du lait, et surtout l'hiver, parce que là encore c'est l'été. Quand je sors de chez moi à 15h, 16h, et quand Ben aussi, quand on sort, on voit encore un petit peu la lumière. Cet hiver, on ne le verra plus. C'est la dépression, je sais pas comment ils font. Moi, je rentre demain et je vais me régler sur un rythme normal d'humain décent. J'ai raté un truc ou pas? Je sais pas comment on va faire quand on aura un enfant. Cet enfant va manquer l'école tous les matins. Ah mais non, vous serez obligé de vous lever et puis c'est tout. Oh là, pourquoi? Vous avez les responsabilités. Je lui ferai l'école à la maison. Avec ma logique. Et pourquoi mon Y? Bah oui, bien sûr. Ma logique et mon don pour les mathématiques. Je lui ferai l'école à la maison. Oh non. Mais t'arrives à appuyer sur Y, toi? Tu veux faire quoi? Je sais pas, il faut appuyer sur Y quand on fait... Et en moins... C'est pas Y, c'est RB. Oui, on dit Y. Ah, peut-être qu'il faut qu'on le fasse en même temps. Attends. Ah! C'est ça. Et donc... Il y a un truc qui s'affiche là. Je vois des logos. Où donc? Bah regarde sur mon écran là, c'est quoi ça? Je connais pas. Ça veut dire quoi, corde? Non, à mon avis, c'est pour la coupure d'électricité. Comment ça, pauvre enfant? Ah,
Il faut faire les deux chemins en même temps. Bah oui, un humain décent, écoutez, moi je suis salarié, j'ai besoin d'avoir un rythme qui n'est peut-être pas le mien, mais vu que j'aime la lumière du jour, je suis quand même contente d'être réveillée pendant plus de 4 heures avec le soleil levé, voilà. Ça ne sert à rien. Oh non. Donc, attends. Oh, c'est la mort qui m'a assassinée. Mais je comprends pas là, attends, les deux sont verts. Nous on fait des zigzags, mais en fait à quoi bon? C'est quoi ce logo là? Non, parce qu'on me dit on me dit qu'on doit passer le chemin en même temps. Ah bon, alors attends-moi, Bibi. Bibi boy. Le soleil donne du cancer, fur le soleil a du bon sens. Voilà! Non. Si c'est Amidarax qui l'a dit, c'est forcément vrai. Si nous reprenons par exemple l'exemple de l'attaque des titans, dans l'attaque des titans, à un moment on nous parle de, bah, des tréfonds, hein, des bas-fonds plutôt, de l'humanité qui sont donc sous terre. Levi, il est dépressif, mais pourquoi il n'a pas vu le soleil pendant des années pendant qu'il était dans les sous-sols de l'attaque des titans? Parce qu'un humain qui ne voit pas le soleil, il a de fortes carences, il y a des problèmes et surtout... C'est peut-être aussi parce qu'il était en sous-alimentation. En sous-alimentation, sans soleil. C'est pas la faute du soleil. Parce à côté du cadavre de sa mère. Mais non, mais voilà, si on avait. Attends, déjà, merci beaucoup Florent Blacklight qui vient nous illuminer de son sub. Merci d'avoir pris un abonnement de niveau 1. Hein. Merci beaucoup Florent, merci. Mais donc reprenons. Ah, on prend le même chemin. Mais moi je peux pas prendre l'autre. Je ne sais pas où il est l'autre. Mais si Levi, on avait rangé sa chambre, il n'avait pas été en sous-alimentation. À mon avis, vivre à côté du cadavre de sa mère et pas pouvoir se nourrir à sa faim, ça peut créer des petites carences et des petites défiances mentales. C'est vrai. N'en est-il pas moins qu'un humain qui n'est pas exposé suffisamment à la lumière du soleil, il devient triste. Pourquoi vous croyez que tous les vieux ils viennent dans le sud pour finir leur vie? Bah parce que c'est comme un cimetière des éléphants, ils se sont refilés l'adresse et tout. Non, mais voir le soleil c'est important, se protéger du soleil pour la peau et les cancers de la peau, c'est tout aussi important. Mais je vois qu'un chemin. Mais non, il y en a deux, regarde. Où? Bah, il y a celui-là. Et c'est tout. Non, il y a où le deuxième, c'est vrai cette histoire? Mais je t'en prie, Florent, je t'en prie. C'est avec grand plaisir. Je suis suicidée. Merci à vous de l'animation tardive. Ah oui, bah. Moi je réponds avec latence. J'ai vu ça. Soleil, éclipse, les 5 God End. Oh non, hein, me parle pas d'eux, hein. Bon, à part Slam, j'aime bien. les 5 God End, pas de soleil, pas d'éclipse, Guts pas mutilé, Casca pas violé, mon dieu. Sauvez Casca. C'est bon, je trouve le chemin. Tuer le soleil. C'est bon, je trouve le chemin. Bon, c'est bon. Mais attendez. Casca, est-ce que Casca mérite d'être sauvée? Moi, je n'aime pas Casca. Je n'aime pas Casca non plus. Elle n'aimait pas Guts, elle l'a bully gratuitement, elle n'a pas réussi à voir Griffith parce qu'il était hors de sa ligue, elle s'est rabattue sur Guts, Guts l'a aimé from first day, et pourtant, elle lui a toujours fait la misère. Et puis, quand Guts, Griffith s'est retrouvé comme un... Comme un rien, c'est-à-dire qu'il n'avait plus de temps... Enfin, je vais pas spoiler pour tous ceux qui n'ont pas vu, même si depuis tout à l'heure je fais que spoiler, excusez-moi. Bref, en attendant, elle n'a pas voulu lui au moment où... Et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je suis tombée, moi. Ah. Allez, go. Tout ça pour dire qu'elle ne le mérite pas, il s'est quand même arraché le bras pour elle. C'est pas n'importe qui ferait ça. J'ai pas appuyé sur X, j'ai appuyé sur Y, j'ai appuyé sur X. Désolée, je parlais de Casca, ça m'a gassé. Mais elle est nulle, Casca. Mais oui, elle pue du cul, je l'aime pas. Et puis en plus, elle est folle la moitié du manga. Mais oui, elle mange des cailloux. Oh là là. Et là, faut revenir du coup. Pourquoi faire? Mais parce qu'on n'a pas sauté en même temps. Ah ok, mais attends-moi. Mais non, trop tard, monte. Allez, on se dit un top. 1, 2, 3, top. On est pas sur le dos et t'es mort. La vie nana. J'ai encore appuyé sur X. Je suis con, hein? Oui! Oui, bah toi t'es morte. Y! Wouh! On avait pas besoin de le faire en même temps, fallait juste le faire. Tout le monde la déteste, mais elle méritait pas de se faire. Ah, mais clairement. Donc, de force. Bon, c'est Griffith, ça va.
Bah oui, mais bon, quand même, non. Tu dis pas non si c'est Griffith. Mais c'est Griffith avec une armure, là, toute cornue. C'est pas Griffith avec sa belle chevelure blanche, mais justement... ondulée dans un lit qui te fait... Pascal, c'est toi, t'es l'élu. Non, mais justement, l'armure... Non, mais moi, je veux pas me faire tringler en armure par Griffith. Même arrête, si... c'est trop bien, l'armure. Mais bien sûr, c'est trop bien, l'armure, jusqu'à ce que les poings, là, te piquent le cul. Ah non, mais le froid comme ça, de l'armure, et puis cette solidité, et puis tu le vois pas vraiment. Ah non, c'est trop bien. Porter des armures. Ah, tout le monde la déteste, mais elle mérite. Non, mais j'avais compris l'inverse. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle mérite. Par contre, elle ne mérite absolument pas que notre cher Guts... Non, méritait pas, il a dit méritait pas. Ah, méritait pas, pardon. Elle ne méritait pas que notre cher Guts gâche sa vie pour essayer de la sauver. C'est cher. Et s'arrache le bras. C'est cher, une armure. C'est le mois prochain, anniversaire de Ben. Alors tu sais, il y a une chaîne YouTube là, tu sais, ils forgent des épées et tout de geek culture et d'anime et tout. Peut-être que tu leur passes commande et te font une armure, hein. Mais bon, je suis pas sûre que quand tu l'entendras faire qu'il pourra pas trop bouger, tu vas ressentir les pics de l'armure, tu vas être en mode aïe aïe aïe, enlève ça. Ah oui, c'est vrai, au boulot il y a le casque de Malenia sinon. Oui, bon, le casque de Malenia. Ouais, mais il tient pas très bien en mouvement, le casque. Oui, c'est très cher, une armure. D'ailleurs, les chevaliers faisaient payer par je sais plus qui, d'ailleurs. Quand ça va grincer la rouille, ça va être sexe. Mon Dieu. Un Ratigan qui parle. Ah oui, en parlant d'Elisa, ouf. J'étais en mode, moi. Moi. Mais comment oses-tu? Mais non, c'est moi qui ai le tatouage. Oui. C'est moi qui ai le tatouage. C'est vrai. Oui. Benzaï en armure avec une grosse lance de chevalier. Ah non, une épée. À choisir. Bah non, mais la lance, c'est fin, c'est le bout pointu. Non, il faut une grosse épée. Hein. Alors moi, je suis team épée à la Guts. Hein. Grosse épée, Cloud, Guts. Dans le bureau, on a le casque de Malenia et l'épée de Guts, grandeur nature. C'est vrai, je l'ai pas vue. Mais si, je te l'ai montré, t'as fait... L'épée de Guts ? Oui, t'as fait, elle est énorme. Non, pas. Je suis stupide. D'accord. Pas celle de Guts, celle de... Mais non, pardon. C'est celle de Guts, 100%. Dans quelle pièce ? Dans le coin, à côté de la petite télé. Elle fait la taille du mur. Mais si elle faisait la taille de Guts, j'aurais vu. Elle est énorme. Dans, là où il y a la cafette ? Non, dans le bureau, là où il y a le décor. Ah, j'ai pas fait gaffe. Je te l'ai dit, t'as fait... Ah, hein. Ah, j'ai ça, oui, mais... Tu vas juste pas écouter. Oh, je suis deg. Oh, la Claymore, j'adore Claymore. Regardez, je suis une Claymore girl. Attendez. Voilà. Je la mets à l'envers. Oh, mais c'est parce que c'est à l'envers dans le truc. Ma coque Claymore. Attendez, coordination. C'est fastidieux, hein. Le fond d'écran Claymore qui est à l'envers. J'adore Claymore. Les cheveux bleus, c'est pas... Bon, moi, je vais me coucher. Hein. Les cheveux blancs, c'est pareil. C'est... Non, mais c'est ça, Claymore, c'est Berserk, mais avec des nichons. Oui. Bon. Oui. C'est plus que ça. C'est un voyage initiatique en tant que femme, en tant que... C'est bizarre, la relation entre Claire et Raki, mais j'ai adoré. Et enfin, la grosse différence, malheureusement, ça va vous briser le cœur, mais c'est que Claymore a une fin. Contrairement à Berserk. Mais je sais pas ce que je fais avec mes cheveux. Mais oui, Claymore, c'est excellent. Ce qui est dommage, c'est qu'ils aient ruiné la fin du scénario dans l'anime, qui est très bien. J'adore l'anime de 2007. Par contre, dans la qualité qu'ils l'ont mis sur Netflix, c'est un scandale. J'essaye de le faire regarder à Elisa, mais c'est pas facile vu la qualité. Ah oui, c'est très bien. Elle m'a fait commencer, mais c'est tellement pixelisé. C'est ça. Moi, j'ai une version qu'on m'avait téléchargée il y a quelques années en 1080p. Je ne comprends pas ce qu'ils ont foutu Netflix. Mais pareil avec Monster, d'ailleurs, qui est dans une qualité mais pitoyable. Bref, mais oui, Claymore, c'est excellent, et à lire, c'est magnifique. Les comment il s'appelle, Nagi, c'est ça? Les dessins de Nagi, ils sont... Oh non, j'ai pas appuyé dessus. Incroyable. Ah bah non, là, il fallait qu'on y aille ensemble. Je vais mourir, oui. Ah, attends. D'abord, il faut que tu y ailles. Non, tous les deux. Mais j'ai fait herbé, toute de crotte. Mais je suis collée. J'arrive pas à sauter. Ah, peut-être il faut arrêter d'appuyer. Mais...
Mais regarde, je touche plus rien. Mais moi non plus. Ah, faut appuyer sur RB, ok. Faut pas se mettre. C'est contre-intuitif. Oui. On dirait la musique d'un truc genre qui veut gagner des millions. Oui. Ou... un truc comme ça. Regarde, c'est tes vieilles jumelles. Génial. Oh, Blaine, c'est le grand Black, là, hein, c'est ça? Le chasseur de vampires, c'est oui, ça l'histoire? Voilà, il faut qu'on la trouve. Si, si, Netflix a été ajouté sur Claymore il y a... ouh, ça commence à faire un petit temps. Netflix a été ajouté sur Claymore. Oh, excusez-moi, j'inverse tout. Bon, vous avez compris. Oui, la fin de l'animé est nulle. Un animé qui file pas la gerbe. Oui, non, il filme pas. Il filme. Oh, j'arrive pas à dormir. Il filme pas la gerbe. Tu confonds Blade et Blame. C'est Blade, le chasseur de vampires. Ah, Blame, c'est quoi déjà? Je sais plus. C'est quoi Blame? Qu'est-ce qui nous arrive? Tout ce que je sais, c'est que Rose s'est assise ici avec ses poupées. Et vous avez pris vie tous les deux. Blame. Quoi? Juste comme ça? Vous n'avez rien vu d'autre? Il y a bien eu quelque chose de bizarre. Ah oui, parce que là on joue, on passe un très bon moment avec vous, mais Sarah à 5h du matin, il faut qu'elle parte pour l'avion. Des larmes qui tombent. Il y a des larmes qui sont tombées sur ses poupées. Attendez, attendez. Je sais ce qui s'est passé. C'est un sort. Non, c'est complètement ridicule, Cody. C'est genre un gang ce like. On est en train de discuter avec une paire de jumelles. Il n'y a aucune logique. Oh bon sang, je ne crois pas une seconde. Attends, t'écoutes pas, regarde, c'est une immonde connasse. Elle est en... il lui dit, bah attends, si la fille, si notre fille, elle a pleuré sur les poupées, voilà. Il dit, bah, c'est un sort. Eh mais moi, en fait, je suis terre à terre, je suis une scientifique, j'ai des outils, je crois pas au sort. Il dit, mais attends, on est en train de parler à une jumelle. Oui, mais c'est pas logique. Comment est-ce qu'on le brise? Elle est en poupée, non, littéralement, en mode un sort et puis quoi encore? Un de trucs sur le sort. Je suis quasiment devenu un sorcier. Ouais, alors maintenant laisse-moi respirer, j'ai besoin de réfléchir. Cet homme était trop créatif, gentil et mou pour être avec elle. Bon, c'est ça, si ce n'était pas des personnalités qui matchent. Non. Alors pour le briser. Oh. Pour briser le sort, un sourire. Il nous suffit d'utiliser à nouveau ses larmes. Boum! Ok. Oui, donc bien. Maintenant, on doit la trouver et la pousser à nous pleurer dessus. Vraiment? Après, c'est pas tant que leur caractère soit un petit peu différent, souci. Okay. C'est juste. Est-ce que vous savez où on peut la trouver, oui. Madame Jumelle? Un petit peu. Elle est dans sa chambre. Il fait chaud. T'es chaud? Mmh. Allez-y. Je pense. Mais comment on arrive dans sa chambre d'ici? Fastoche, on monte dans l'arbre. Par ici. D'accord. J'essaierai de lire. Déjà, il faut que je finisse... Mais tu pourras jamais sauter aussi loin. C'est quoi le nom déjà? Regarde. Ugen no Junin, Blade of the Immortal, et puis après... Et que je me remette à jour de Black Butler, et après j'essaierai de jeter un œil à Blame. Merde. Laissez passer les amoureux. Allez, venez. Quoi que l'air dit comme les nirs. Envoyez-nous c'est la pas corde. Gay les nirs. C'est trop loin. Cody, quelle que soit la distance, l'amour triomphe toujours. Fermez-la et lancez-nous. Mais il fait des gestes obscènes. C'est pas parce que Kainé elle a un pénis dans sa culotte. Allez, venez, que c'est un truc gay. Hein, c'est pas parce qu'elle aime une... Parce que dans un nir, c'est compliqué, le genre de Kainé n'est pas vraiment défini. Et il y a une petite romance, mais du coup, c'est une femme qui s'identifie en tant que femme. Allez, mais on te laisse aller vraiment penser qu'elle n'a pas les attributs d'une femme. Oh, c'est un bref gigantesque. T'inquiète pas, c'est bon. Avec ses cordes, oui. Oh, c'est joli. Oui, je me balance et nous nous balançons. Oui, je me balance, c'est un plaisir immense. Et nous nous balançons. Non, je vais rester droit. Oh, des coccinelles. Oh, des fourmis. Oh, des coules. Une chute. Je sais pas ce que c'est, des champignons. Attends, je peux les écraser? Oh, je peux les écraser! Mais non, mais fais pas ça!
Monstre. Hey. C'est trop bien. C'est trop bien. Je peux tout tuer. J'adore. C'est un échec. Super. J'ai déjà dit à Rose de pas lancer ses chaussures. Oups. Je lui ai dit que j'étais quand j'étais petite. On s'explique alors. Elles sont trop petites de toute façon. Mais c'est débile de balancer ses chaussures dans un arbre. Wouhou. Bah oui, écoute, puis c'est moche. Mais par contre, il est trop beau cet arbre. Construit une cabane dans l'arbre. Ah non, mais le jeu est très joli et très agréable en main. Oui. Oui, c'est une futanari. Mais dis donc, on a des connaisseurs ici. Mais j'ai jamais vu de futan. Ouais, c'est parce que c'est à cause de ce que j'allais dire. Parce que moi, les futanari que je lis, c'est plus des hommes avec. Enfin, je ne lis pas, mais je suis tombée dessus une fois et j'étais en mode mais. Et puis j'ai découvert ce fameux tag futanari. Oh, c'est les gens avec les attributs opposés, c'est le chimé, quoi. Attendez le chat, attendez, les fourmis prendront leur revanche. Elisa n'a pas encore tout vu du monde souterrain dans Elden Ring. Ah, mais non, mais je sais qu'elle est fourmi énorme. Ah oui, mais par contre, elle loot des runes. T'as jamais vu ça? Comment qu'on fait? J'étais pas assez proche. J'ai la chanson d'Hercule en tête. Ah, mais elle se balance, cette balançoire. Tiens, c'est notre balançoire. Ce truc devient enfin utile. Allez, on traverse. J'ai vraiment dit, se balance, cette balançoire quand même. Oui. Cette balançoire balanceuse se balance. Pas moyen d'atteindre la chambre de Rose pour l'instant. Allons plus haut. Boing. Wouh. Ah, mais c'est la mort. Et je tue pas les pauvres fourmis, je m'assois dessus. Ouais, les tue, c'est une jolie façon de le dire. C'est le couvercle de notre peau. Qu'est-ce que ça fait là? Il y en a qui rêveraient que je m'assoie sur eux. Ah bah oui, mais les souris, eux. Les souris. Les fourmis, tu les tues, mais dis donc. Dès que je suis bourrée. Je comprends pas. Alors, ça me donne envie de jouer à Spider-Man. Mais il y a le nouveau qui sort là bientôt, non? Oh non, quelle horreur. Oh, c'est pas mon style le jeu, j'avoue. Attendez le chat, attendez les fourmis. Mais oui, il faut arrêter de tuer les pauvres fourmis. Quand elles auront pris le contrôle du monde, elles épargneront que ceux qui ne les ont pas sauvagement abattus. Ah, dans la vraie vie, je ne les tue pas, par contre. Mm. C'est trop intelligent pour être tué. Je sais pas où il faut aller. Tout droit. Putain, oh non, ouais, quelle lose. Tac, foutard récemment, ça. Non, pas récemment, malheureusement. Mon innocence a été mise à rude épreuve. Il y a une auteure que j'adore qui écrit du yaoi, du boys love. Et elle a écrit un livre qui est d'une tristesse, qui parle des suicides, etc. Bref, un manga, pardon. Et en fait, parmi ses œuvres, il y avait un one shot qui s'appelle, je sais plus comment d'ailleurs. Il est un peu triste, vraiment, les personnages sont un peu névrosés dedans, mais bref. Et ça parle d'un mec au boulot qui, je sais plus comment, son collègue de travail découvre que bah il est pas foutu comme on le penserait. Et du coup, au début, c'est un peu un truc en mode, lui, il est en mode, bah je t'accepte comme t'es et tout, mais... Enfin, non, en vrai, c'est sain et bizarre en même temps. C'est qu'il y en a un qui est en mode, moi je t'aime comme t'es, et l'autre, il est en mode, je déteste ce corps et tout, et bon, voilà, c'est un one shot, donc l'histoire ne va pas bien plus loin. Et c'est là que j'ai découvert le tag futanari, parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais ça a été un des tags qui m'a le plus surpris avec un autre truc, je sais plus comment ça s'appelle là. C'est le fait d'avaler les gens tout rond, là. Enfin, le délire de... Ouais, c'est un tag, c'est... Le vore? Non, c'est pas le... Si, c'est... Non, les gens qui ont le fétiche de se faire manger, là? Mais c'est pas vraiment se faire manger, c'est d'être tout petit et genre dans la bouche de quelqu'un... Enfin, d'être tout petit avec quelqu'un de taille normale, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, mais... Non, pas le vore. Enfin, il me semble que c'est pas le vore. Ah oui, le vore, c'est terrible. Déjà, quand je regardais Tokyo Ghoul en mangeant, je me disais, bon, ça me dégoûte, cette histoire. Donc non, je lis pas forcément de vore. J'arrive, hein. Gobé, voré. Oh, t'inquiète, moi aussi, hein, j'ai téléchargé. À partir du moment où j'ai souscrit un VPN pour pouvoir continuer à aller sur mes sites qui étaient interdits en France, comment te dire que... J'aime pas ça. Faut qu'on atteigne la chambre de Rose. Mais tu vois pas que c'est super loin? Évidemment que je vois que c'est super loin. C'est pour ça qu'on doit s'activer. Tu veux t'arrêter quand, toi, pour aller dormir? Pourra nous aider. Sérieux? Faudrait que tu dormes au moins 2 heures. Ouais.
Tu fais quoi? Voilà, on sait pas ce qu'il y a là-dedans. Mais c'était un raccourci vers la maison. Et si c'était pas le cas? Et si c'était... Ah! Personne. On revient en paix. On essaie d'aller dans la maison. Ouais, on risque d'être en pleine action, là. On va commencer un arc, à mon avis. On n'a pas le temps d'expliquer. C'est un raccourci ou pas? Continuera quand tu reviens. Oh putain. Oui. Laisse Verukine la paix. Je savais que c'était pas une bonne idée. Ah, mais le chat, c'est un écureuil, une souris, écureuil. C'est trop lourd. Je croise bocal à l'envers, au moins on voit à travers. Super, mais vraiment, on est emprisonné, mais la vue est top. Oh oui, mais j'ai passé un cap il y a moult temps. C'est-à-dire que, imagine Sarah, 12 ans, qui relit un truc chelou pour la première fois et qui se dit « Mais je comprends pas. » T'as entendu parler de ce livre de... La madame et le monsieur ressemblent tous les deux à des hommes. Et j'ai ouvert une porte qui ne s'est jamais refermée. La porte Parce de la débauche. On peut redevenir amis. Qu'est-ce qu'il dit, la petite? Si tu veux, tu pourras l'emprunter. Ton papa, il est bloqué dans une poupée, ma chérie. Ok. T'es occupée. Oh, ça me brise le cœur. Désolée. Mais t'excuses pas! Elle a tellement habitué que ses parents ne lui répondent pas qu'elle est en mode... Désolée. Ça me fait trop mal au cœur. Cody, vous pouvez mettre de l'humour, vous m'avez quand même brisé le cœur. Ça va? Voilà, fallait pas boire de bière, vous aurez pas attaché aux choses. Pour les oh, Possum Savoyard, bonsoir. Mon dieu, regarde-moi, c'est des gaines. Faites pas les imbéciles, elles vous ont envoyé pour nous tuer. Vous tuer? Non, on travaille pour aucune guêpe. On va voir pour qui vous roulez. Mon Mais dieu, vraiment mignon le jeu, j'aime bien. C'est rigolo. À vos ordres, chef. Mais on va nous tuer à répétition. Les écureuils jouent un meilleur jeu. Chef, j'ai pas l'impression. Je comprends, Light Dark, je comprends. Et pourquoi ils meurent pas? Ils ont peut-être des super pouvoirs. Tiens, mais ils étaient vraiment prêts à les éliminer comme ça. Ah, mais clairement. Parce que si on respawn pas, on est mort, hein. Ça va? Ouais, et toi? Ouais. Oh, c'était horrible. Affreux. Mais, viens là. Salut. Salut, monsieur, le gros écureuil. Oh, cette insulte. Alors, vous voulez entrer dans la maison? Oui. On peut vous y emmener. Mais vraiment, c'est... Oh. C'est très... gentil. À une condition. C'est-à-dire? Allez, suivez-moi. Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour les écureuils militaires? Viens, Cody. Je veux pas y aller. C'est un mystère. Et nous verrons ça pour une prochaine fois.